Ça m'a produit plutôt pas trop mal parce que donc en fait je viens des montagnes aussi. Bon, je suis un peu moins japonais. Alors le yodeli, bon, pas vraiment. J'ai appris beaucoup de choses via internet. Ce bonhomme s'est fait un peu connaître sur internet et j'aurais vraiment adoré faire une conférence gesticulée sur les poules ou les quelles. Mais j'ai pas pu. J'ai dû parler d'autres choses et c'est très dommage. Alors j'habite en montagne en fait. Et j'habite en montagne parce que mes parents sont allés habiter là-bas, hein, tout simplement. Et on les a suivis quand on était enfants. Et parce que mes parents en fait, se sont rencontrés dans une étendue sauvage et déserte où il y a plein d'amoureux de la nature, genre la forêt de Fontainebleau. À la forêt de Fontainebleau, donc, ils avaient tous les deux membres du club alpin français, ils ont fait plein de randonnées ensemble, ce genre de choses. Ils se sont rencontrés, puis ils se sont dit qu'ils allaient vouloir vivre à la montagne. Et du coup, ils sont allés vivre à la montagne, puis ils ont eu quatre enfants. Quatre enfants dont je suis l'aîné, et le plus jeune de mes frères a 9 ans de moins que moi. Et comment dire, ils nous ont un peu transmis leur passion de tout ce qui était montagne et compagnie. Par exemple, je sais parfaitement distinguer la feuille d'un chêne, la feuille d'un charme, pardon, le chêne aussi, la feuille d'un charme et la feuille d'un hêtre, qui se ressemblent pourtant vachement à la base, ces deux feuilles. Il y a un moyen mnémotechnique que mon père nous répétait à peu près à chaque randonnée, c'est que le charme d'Adam, c'est d'être à poil, le charme a des petites dents au bout de la feuille, alors que le hêtre a des petits poils au bout de la feuille. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Vous pourrez briller en soirée. Bref, nos parents nous amenaient régulièrement en randonnée, nos parents nous apprenaient plein de trucs vis-à-vis de la géologie et ce genre de choses. Alors je dis nos parents, c'était plutôt mon père. Mon père était plutôt branché sur tout ce qui était sciences de la vie de la Terre, sciences physiques. Et en fait, il était ingénieur forestier. Ma mère, quant à elle, faisait tout ce qui était plutôt des arts à la base. Il avait un diplôme en histoire de l'art. Il nous a pas transmis grand chose. Ça, plus c'était notre père qui nous a transmis beaucoup de trucs. Alors qu'on a tous fait un bac S avec mes quatre frères, on a tous plus ou moins fait des trucs qui étaient en lien avec l'ingénierie après. Par contre, personne ne sait grand chose sur l'art dans la famille. Ma mère adorait danser, mon père pas du tout. Aucun d'entre nous ne savait danser dans mes frères. Donc on a plutôt hérité de notre père. Et moi en l'occurrence, on m'a forcé à être bon en maths et en physique. Hein. C'est-à-dire que si j'étais pas bon, mon père me prenait encore particulier, dirons-nous. Et du coup, j'étais bon en physique. Je me suis retrouvé en bac S, puis à avoir tout un cursus parfaitement sur des rails de classe préparatoire d'école d'ingénieur. Et j'ai fini en ingénieur. J'aurais pu finir à la SNCF tant il y avait de rails. Et donc, je m'intéresse à la nature, ce genre de choses, par mes parents et ce genre de choses. Je répète beaucoup ce genre de choses. J'ai arrêté de dire ce genre de choses. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est un petit peu nature et j'ai un cursus d'ingénieur. En plus, il a s'avéré que mon métier d'ingénieur ne me plaît pas trop. Je vais donc vous parler aujourd'hui de climat, un truc d'ingénieur qui s'ennuie dans un métier qui ne lui plaît pas. Voilà, donc on va parler de climat, ayant été formé à tout ce qui était physique. Je vais vous partager des réflexions qui me sont venues. Parce qu'en fait, donc, comme je vous disais, moi, j'ai fait une ligne droite vers le monde de l'ingénierie et j'avais en fait un modèle pour moi en tant qu'ingénieur. C'était mon père. Parce que mon père était ingénieur forestier, ingénieur des eaux et forêts, et j'avais l'impression qu'il était utile à la société. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, il avait l'air d'avoir les agents, ils étaient un peu bébêtes, ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils devaient faire, et ils n'avaient plus coupé les arbres, ou ils ne savaient plus comment compter les animaux. Bref, j'avais l'impression que s'il n'était pas là, ça changeait les choses à la société. Moi, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, je suis allé travailler dans une petite entreprise qui fait des avions à Toulouse, donc, au sein de cette PME, bien sûr. J'avais un métier qui était très important aussi, hein, c'est-à-dire que j'étais en charge de développer des logiciels pour permettre aux gens qui vérifient que les gens qui vérifient que les gens travaillent. Oh, vous avez l'air ingénieur, vous ne comprenez pas à quel point c'est nécessaire. En gros, alors oui, soyez en passant, j'ai des fois parlé un peu vite, il faut me pardonner, c'est comme ça, vous pourrez partager avec votre voisin de gauche ce que vous avez compris de cette conférence, et à deux ensemble, peut-être, vous aurez la conférence en entier.
Bon, un métier en tout cas pas très très utile. J'étais pas là, j'étais là. Globalement, la phase du monde changeait pas trop. Mon portefeuille à la limite, mais c'est tout. Et en fait, j'aurais bien voulu confronter ma vision du monde de l'ingénieur avec celle de mon père, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que mon père, malheureusement, est décédé avant la fin de mes études d'ingénieur. C'est-à-dire que donc, je vous ai dit que j'avais trois petits frères et quatre enfants, et en fait, ma mère a été assez rapidement diagnostiquée d'une maladie grave, une maladie neurodégénérative, évolutive, diront ceux qui manient les euphémismes de ce matin. Donc, une maladie neurodégénérative qui, malheureusement, est incurable. Et mon père a un peu tenu à bout de bras ce qu'il a pu dans la famille. À la fois, on avait des problèmes financiers, à la fois, ma mère était de moins en moins en forme, et à la fois, il y avait quatre enfants. Bon. Une situation qui n'était pas forcément terrible et qui l'a amené à subir un accident à un moment. Il se serait passé quelque chose dans tous les cas, c'était pas sain la situation. Donc mon père est décédé, j'ai pas pu comparer ma vision du monde de l'ingénieur avec lui. Et moi je me retrouve là-dedans. Je me retrouve là-dedans sans vraiment savoir au sein d'Airbus quoi véritablement je sers. Et parallèlement, habitant un peu dans les montagnes et revenant régulièrement à la maison familiale, je vois un peu les choses changer, je vois les stations de ski faire faillite, je vois faire des choses comme ça, pas très sympa, et je vois le changement climatique en fait. Bon, en tout cas, plus ça va, plus je m'informe dessus, puisque comme je suis ingénieur, je suis toute la journée derrière l'ordinateur et je peux faire semblant de travailler. Alors c'est la technique d'ingénieur, en vrai, vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes caissier ou si vous bossez sur des chaînes, mais avec un ordinateur, on peut parfaitement faire semblant de travailler, et puis en fait traîner sur Wikipédia, puis à la fin pondre un truc à la vache. Un ingénieur, c'est pas vraiment supposé faire bien le travail, c'est supposé montrer que ça a bien fait le travail. Il y a une petite différence. Donc je profite de mes quelques années à Airbus pour m'intéresser à tout ce qui est question climatique et en fait je trouve pas de réponse. Je trouve pas trop de réponse à la question climatique, je comprends au fur et à mesure le problème dans son ensemble et vous allez voir que c'est un problème qui est un peu compliqué. Bon, comprendre dans son ensemble, c'est pas vrai, personne ne le comprend dans son ensemble en vérité, mais j'en comprends de plus en plus. Et plus j'en comprends et puis plus je m'interroge et je me dis, je pose la question à mes collègues, qu'est-ce que vous pensez de tel truc? Et puis, l'acidification des océans, ça t'inspire quoi? Globalement, rien. Ça leur inspirait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y avait plus l'urgence absolue d'avoir rendu tel dossier à temps pour dans 2 mois, parce qu'après, dans 2 mois, on prend les congés pendant 3 semaines pour aller en Thaïlande. Parce que ça fait 6 mois qu'on n'arrête pas de travailler, donc c'est bien d'aller en Thaïlande pendant 3 semaines, profiter de nos gros euros européens pour faire un hôtel, 5 étoiles, je sais pas quoi. C'était plus ça la préoccupation. Que fondamentalement le climat. Donc j'étais un peu, j'étais en train de partir l'ingénieur un peu écolo, puis ça lui passera, quoi. C'est quand t'es jeune, tu te dis qu'il faut changer des choses, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et dans l'ensemble, par mes collègues, je ne trouve pas beaucoup de réponses. Alors si, évidemment, j'ai quand même la réponse de, bon, il faudrait avoir des SUV électriques. C'est bien connu qu'un SUV électrique, ça permet de résoudre vous voyez pas ce que ça permet de résoudre? Bon, mais, pareil, il faut plus regarder les spots publicitaires. En tout cas, c'est écologique. Donc, toujours est-il que j'ai ces réponses qui sont vraiment les réponses bateau de chez bateau et qui, pour moi, ne correspondent pas du tout à ce que je perçois du problème climatique. Je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc, voilà. Comment venir? Les continents continuent de s'enfoncer. La Terre cherche une façon de nous effacer. Les gens pigent pas, ils s'en fichent ou s'enfilent des cachets pour afficher un air détaché. Peut-être qu'ils essaient d'éviter d'y penser tous les jours en cherchant du fric à dépenser dans les bars pour y boire, pour être sous, pour être fou, pour être un tout petit peu ce qu'ils étaient au départ. Ils portent le poids de l'ennui, marchent dans le soir sans un bruit, et puis un soir ils croient enfin apercevoir un phare dans la nuit. Bon, j'ai pas trop de réponses à mes questions, par contre j'ai trouvé des gens qui formulaient bien et la manière que j'avais de me poser des questions, donc je vais parfois me faire aider par des musiques, par des textes, pour essayer de vous faire comprendre ce que je ressens sur les différents moments. Et là, en l'occurrence, c'est un peu ça que je ressens, c'est des gens qui essayaient de pas trop y penser, qui, globalement, voilà, ne voulaient pas vraiment voir de problème. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de la question climatique et du fait qu'en fait, c'est pas vraiment un problème d'ingénieur. Je suis complètement foutu de répondre à qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. D'ailleurs, personne ne l'est, hein. C'est un problème qui est politique, et c'est collectivement qu'il faut s'intéresser à cette question. Pour ça, je vais quand même juste vous préciser 2 choses. Je vais dire, je risque de donner beaucoup de chiffres, enfin... Beaucoup, non, j'espère que non. Je sais pas être à ce moment, mais le climat, il y a un moment à un autre, il faut poser des choses qui sont des sciences physiques ou des sciences naturelles. J'essaie d'être le moins en posture de prof possible. J'étais à prof un peu plus tard dans ma vie et je sais que c'est excessivement désagréable pour les élèves. En tout cas, j'ai adoré ce métier. Bon, et, mais bref, voilà, et entre ça et mon débit de parole, on pourra s'expliquer après. Donc. Alors, la question climatique, pour bien savoir quel est le problème, pour bien savoir quelles sont les bonnes réponses, pardon, il faut déjà avoir bien compris quel est le problème. Donc on viendra. Quel est le problème? Alors, à la base de tout, vous avez des activités humaines.
les activités humaines, vous avez des bâtiments, vous avez l'agriculture pour se nourrir, vous avez les transports, vous avez l'industrie. Ces différents pôles d'action amènent notamment à déforester afin d'avoir de l'espace ou afin d'avoir des champs, et ça, ça attaque ce qu'on appelle les puits de carbone. Les puits de carbone, c'est mon stock, le dioxyde de carbone. Par ailleurs, on utilise des énergies fossiles, donc du gaz, du charbon, du pétrole, et ces énergies fossiles, quand on les brûle pour avoir de l'énergie, émettent du CO2. CO2 qui est stocké dans les arbres qu'on déforeste. Mais c'est pas tout, vous avez également des gaz à effet de serre, comme le méthane et le protoxyde d'azote, qui existent, et qui vont contribuer à faire un effet de serre additionnel. Ça va ? Un effet de serre additionnel qui va donc provoquer un forçage radiatif. C'est le fait d'avoir plus d'énergie qui va arriver sur Terre. Quand vous allez avoir plus d'énergie sur Terre, il va falloir savoir où est-ce qu'elle se répartit. Et globalement, elle se répartit sur la Terre et sur l'eau. Et ça, ça amène à la perturbation du cycle de l'eau. Lorsque le cycle de l'eau est perturbé, ça vous amène à avoir des crues et aussi des sécheresses. Par ailleurs, ça fait des incendies quand vous avez des sécheresses et qu'il fait chaud, des canicules, mais également des cyclones et des submersions. Parce qu'en fait, après, le problème, c'est que le CO2, c'est aussi un gaz qui se dissout dans l'océan, sauf qu'en se dissolvant, il acidifie. Et vous avez des organismes calcaires qui ne supportent pas tout ce qui est acide. Et du coup, vous avez des difficultés de la formation du corail, mais aussi du zooplancton et du phytoplancton. Ça, c'est con, c'est la base de la chaîne alimentaire marine. Parce que vous n'avez plus la chaîne alimentaire marine, ben, vous avez du coup des problèmes de nourriture. Mais aussi, vous avez du coup tout ce qui est glace, la fonte de la banquise, la fonte des glaciers, la fonte des calottes polaires, et ça, c'est très embêtant, car avec la dilatation thermique plus cet apport d'eau, vous avez la montée des eaux. Mais alors, en plus, si vous avez une perturbation du cycle de l'eau, vous risquez d'avoir des difficultés avec la disponibilité de l'eau douce, mais aussi des soucis sur la biodiversité terrestre, s'il n'y a plus d'eau, s'il y a des canicules, des incendies, ce genre de choses. Les vecteurs de maladies qui se déplacent, du coup, vous avez des problèmes de rendement agricole. Si vous avez des problèmes de rendement agricole, vous risquez d'avoir des soucis de famine. Avec des famines, des submersions, des catastrophes climatiques, vous avez des réfugiés climatiques. Des réfugiés climatiques en situation de famine qui se déplacent, ça peut provoquer des problèmes de santé et accessoirement amener, quand on ne se comprend pas trop, à construire des murs et se tirer dessus des conflits armés. Mais en fait, après, quand vous avez... Ça, c'est les questions qui sont vraiment bêtes, c'est des choses qu'on a plutôt bien étudiées, parce que par ailleurs, vous avez d'autres choses comme les aérosols qui sont de la pollution atmosphérique, qui... vous avez également l'artificialisation des sols, l'usage des pesticides, l'eutrophisation de l'océan, la désoxygénation de l'eau, l'érosion des coquilles puis acides, qui sont des choses qui ne sont pas directement liées au changement climatique, même aux activités humaines. Par ailleurs, par contre, le fait d'avoir toute cette énergie qui se répartit amène à la diminution du gradient thermique entre les pôles et l'équateur, amenant à une homogénéisation de la température qui provoque la perturbation du jet stream, le jet stream qui fait que vous avez fait chaud quand il fait faire froid et froid quand il devrait faire chaud, le Gulf Stream et la circulation thermologique qui se casse la gueule, du coup vous avez l'accentuation du phénomène El Niño et également des puits de carbone qui désoxydent, qui décarbonisent, pardon, et enfin des hydrates de méthane, le permafrost, la saturation des puits de carbone et l'albédo qui sont des boucles d'effets rétroactifs positifs, qui n'ont de positif que le nom, en gros ça s'emballe tout seul. Lorsque l'on déclenche ces derniers mécanismes, vous n'avez plus besoin de nous pour perturber le climat. Un peu comme un caillou qui est en haut d'une falaise, il a besoin d'énergie pour le décrocher et qu'il tombe, mais après il n'y a plus besoin de nous pour qu'il continue de tomber jusqu'en bas. Okay. C'est un problème donc complexe. Bernard Friot, vous en direz. Alors complexe, mais pas impossible à comprendre. Par ailleurs, en fait, j'anime des ateliers qui permettent de prendre 3 heures et pas 2 minutes 30 pour expliquer ça. Et à la fin, ça fonctionne très bien, les gens arrivent à comprendre les grandes lignes et c'est vachement intéressant. Et le problème, c'est que ces choses-là, c'est des choses qui sont bien connues, bien documentées, et dont on est à peu près sûr de nous. Et c'est important de se renseigner dessus, mais bon, voilà, vous voyez bien qu'en fait, c'est un peu compliqué. Si là-dedans, vous n'avez pas entendu parler de panneaux solaires, de recyclage, ou si vous dites que manger bio, ça ne résout pas grand-chose, bah, vous avez raison. Il est dit que pour tout problème complexe, vous avez des solutions simples, faciles à comprendre, à mettre en œuvre, et fausses. j'ai oublié une partie forcément. Alors généralement quand vous trouvez une solution, elle résout un problème, puis en aggrave un autre. Vous avez bien vu que tout ce truc-là est intriqué. Il n'y a pas une solution qui permet de résoudre tous les problèmes à la fois. Si vous arrivez à résoudre le problème de la température terrestre tout en acidifiant plus l'océan, vous avez bien vu que ça pose des soucis. Bon, tout ça pour dire que voilà, pas de solution miracle a priori, on est bien d'accord. Deuxième partie du problème. Moi, je suis ingénieur, mais également graphiste freelance. Ceci est... Ok, c'est un arbre, effectivement. Il a des petites racines. Voilà, et elles vont parfois déjà un peu profond sous terre. Autour des arbres, vous avez généralement des petits buissons, hein, disons, puis il y a aussi des petites fleurs. Voilà. Vous admirez hein, mon 8 en art plastique tout le long de ma vie. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a donc qui vit dans les arbres ?
Bernard Friot. Qu'est-ce qu'il y a dans les arbres? Des oiseaux. Des oiseaux, merci. Alors les oiseaux, moi j'ai à nouveau un niveau, voilà, indiscutable. Les oiseaux se nourrissent d'insectes de graines. Oui, effectivement, tout fonctionne. Donc nous avons également des petits insectes. Voilà, parfait. Puis, ouais, justement, ça fait partie du problème. Vous avez également, on va dire que c'est une grenouille, c'est vrai. Bon, enfin, puis également, des... ça c'est un hérisson. Bon, voilà, des petits mammifères. Ok. Quand vous donnez ce genre de... Quand vous expliquez à l'ingénieur que, ben voilà, un des soucis qu'on a là-dedans, c'est qu'on émet du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, il vient du fait qu'on a brûlé l'arbre, donc on l'a coupé, l'arbre qui stockait le carbone jusqu'ici. Donc un ingénieur, vous lui donnez ce problème-là, on déstocke le carbone, il faut réussir à le stocker, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, on va trouver un gros sac à carbone, on bourre dedans, on le fout sous terre, et puis c'est stocké. Ça, ça remplit cette fonction, de stocker le carbone. Mais si vous le supprimez, pour mettre à la place des gros sacs de carbone que vous mettez sous terre, qu'est-ce qui se passe? Pour les petits oiseaux déjà, d'après vous, qu'est-ce qui se passe si on coupe les arbres? Et non, potentiellement plus d'abri. Merci la dame à la chevelure soyeuse. Je m'y connais. Ok, plus d'oiseaux. Si vous n'avez plus d'oiseaux, qu'est-ce qui se met à proliférer à mort? Ouais, les insectes. Donc eux se mettent à être plus nombreux. S'ils sont plus nombreux, les petits insectes, bon, ils sont sur votre pare-brise, certes, mais aussi potentiellement, ils ravagent un peu de tout ce qui peut se manger dans les parages. Puis ils sont en compétition avec ceux-là qui du coup disparaissent. Bref, vous avez en fait des effets en cascade. Et ça, bah, du coup, c'est pas juste une question de est-ce qu'on a bien stocké le carbone dans l'arbre. Il y a tout un écosystème qui est là avec. Accessoirement, l'arbre, il pompait la flotte de dessous la terre, il participait à maintenir le sol là où il était, ce qui permettait aux autres plantes de pousser. Et si vous le supprimez, bah, potentiellement tout ce truc-là devient sec et puis game over pour tout le monde. Bon, notez bien d'ailleurs que dans cette affaire, si vous avez coupé votre arbre avec une tronçonneuse parfaitement électrique nourrie aux panneaux photovoltaïques renouvelables, ça n'enlève rien au problème. Hein. On est bien d'accord. Ensuite, et je m'arrête, enfin pour cette partie. Voici, toujours avec mon grand talent de graphiste, la vue de coupe d'une calanque à Marseille, dans laquelle vous avez une petite grotte. Ça s'appelle la grotte Cosquer. En vue de coupe, hein, c'est-à-dire que genre, vous pouvez faire votre footing ici. Je démaîtrise très bien le dessin des bonhommes bâtons. Et là, vous avez l'eau. C'est pour ça que j'ai fait des bâtons. Avec des bateaux. Bon. Donc. Cette grotte Cosquer est accessible donc par à peu près 30 mètres de profondeur. Vous donc vous plongez. Puis vous pouvez passer ce boyau de galerie afin d'arriver ensuite à l'air libre. Et à l'air libre, là, vous trouvez des machins qui sont dessinés avec bien plus de talent que moi. Mais je vais quand même essayer de les faire. Ça ressemble à ça. Je sais pas si je vous dis que j'étais nul au Pictionary. Non, c'est pas mal ça. Un pingouin. Merci. Effectivement, vous avez un pingouin, enfin un genre de pingouin. Et vous avez aussi un autre truc qui ressemble un peu à ça. Un éléphant. Un éléphant. Ouais, plutôt un renne, un machin qui vit plutôt dans les steppes. Alors, comment se fait-il que l'on trouve des peintures d'hommes préhistoriques datant d'il y a à peu près 18 000 ans dans cette grotte, sachant qu'elle est sous l'eau? Deux scénarios. Parce que les rennes étaient amphibies. Les rennes. Oui, mais ils savaient pas se peindre, c'est une bonne idée, mais on n'arrive pas à... Deux hypothèses. Première hypothèse, vous avez un homme préhistorique qui était un précurseur d'un méchant de James Bond qui s'est dit qu'il allait faire une base sous-marine, effectivement. Donc il a plongé, pouf, il est remonté là, il s'est dit cool, j'ai ma base, c'est parfait, et bah, il savait pas quoi foutre, il n'y avait pas encore de James Bond à déjouer. Donc il a peint les animaux qu'il avait vus pendant son Erasmus en Norvège. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, le niveau de la mer n'était pas là il y a 18 000 ans. Bon, c'est évidemment ça. Le niveau de la mer était 120 mètres cubes. Il y a 18 000 ans, le niveau de la mer était 120 mètres cubes. Il y avait la différence de 4 degrés, à peu près, en température moyenne terrestre, entre notre époque et cette époque.
Avec 4 degrés de température de différence, on a réussi à faire monter le niveau de la mer de 120 mètres en hauteur. Il y avait une calotte polaire, grosso modo, vous prenez l'île, à partir de l'île et au nord, vous aviez une calotte polaire. Voilà. L'Océanie n'était pas un réseau d'archipels, mais était un continent. Avec 120 mètres plus bas, ça devient un continent. Donc on a au moins un point sur ce que ça fait d'avoir un décalage climatique de 4 degrés en arrière. On a un point de repère, c'est ça. C'est confirmé par d'autres mesures par ailleurs. Hein, voilà. Là, actuellement, on est en train de partir sur une trajectoire avec ce machin-là de 5 degrés, entre 3 et 5 degrés, selon les modèles. On sait ce que ça donne pour moins 4, on va mettre. On ne sait pas exactement ce que ça donne pour plus 5, mais a priori, ça n'inquiète pas spécialement mes collègues à l'Airbus à l'époque. Ça n'inquiète pas spécialement mes collègues à l'époque, mais ça n'inquiète pas grand monde, en fait, même dans l'ensemble général. J'ai l'impression que tout le monde restait un peu préoccupé donc, autour de moi par des tas de problèmes. Ça faisait un peu penser à la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise »,« Tout va très bien voilà. ». Tout va très bien. Tout va très bien. Madame la Marquise, vit dans sa bulle à sa guise. Prison dorée, apatrie, aveuglée, car ça brille, dit que la terre ça salit. Qui a pris ça son masque à sa vie, la même de New York à Paris. Ne ressent rien, analyse, cultive l'avarice. Et que le monde court à sa ruine, Madame la Marquise n'en a que penser. Car trop concentrée sur elle-même, trop occupée à exposer sa vie. Et à penser à ce qu'on penserait d'elle. Madame la Marquise, c'est la vie en rose. Quand son miroir lui dit qu'elle est belle. Donc peu lui importe les autres, les pour que le monde peut crever autour d'elle. Madame la Marquise, le château brûle, je sais, c'est fou. Pour une fois, je vous en prie, réveillez-vous. Les flammes ont déjà attaqué les foules. Regardez autour de Madame la Marquise. Le château brûle, elle est remplie de souffle. Restez encore des issues de secours. Réagissez avant que tout s'écroule. Le temps est compté, Madame la Marquise. Si je vous dis le charbon, à quoi pensez-vous en premier lieu? Là, comme ça, paf, le charbon. Barbecue. Barbecue. Pas belle, pas belle. Maintenant, si je vous dis la révolution industrielle et le charbon, toujours. La machine à vapeur, ça va très bien. En 1950, les gens ne s'alignaient pas avec des peaux de bête. On avait déjà testé les orgues de Staline et les bombardements ainsi que la première bombe nucléaire. Nous avons une consommation énergétique mondiale de charbon qui globalement va ressembler, si je symbolise avec ces magnifiques Lego, j'adorais les Lego quand j'étais, avec ces magnifiques Lego, par ce volume de charbon. Nous sommes maintenant en 2020, un peu plus même. D'après vous, ce volume de charbon, avec notre magnifique progrès technique, avec le fait que notre société, maintenant, on le voit dans tous les films de science-fiction, on a de l'énergie partout qui sort, c'est l'électricité, c'est bleu, c'est magnifique, on a inventé la pile au bullshitium dans tous les films de science-fiction. Combien reste-t-il de charbon dans notre société actuelle? Par quoi on a divisé, multiplié, j'en sais rien, divisé par deux, tout supprimé maintenant, plus de charbon dans le monde? Multiplié par ça. Par trois. Divisé par cinq. Parfois, je vais bien multiplier par 5. Aujourd'hui, on en est là. Pardon. Les gens communistes meurent. Mais non, je croyais que c'était 3, je me suis dit non, c'est 5. Entre 1950 et actuellement, on a réussi à multiplier par 5 la consommation mondiale de charbon. Entre 2000 et 2020, on a multiplié par 2 au niveau mondial. Si on se dit que le charbon, c'est un truc du passé, comme la machine à vapeur, les grandes tisseries énormes et la classe ouvrière, si on se dit que c'est donc un truc comme ça qui n'existe plus, on se plante un peu. C'est-à-dire que si c'est du charbon, on en a toujours beaucoup, beaucoup dans le monde. Sauf que à ça, charbon qui est donc une des 3 formes d'énergie fossile, on en a rajouté 2 autres, dans des proportions à peu près équivalentes. Ça s'appelle le gaz et le pétrole. Gaz, charbon, pétrole. À ceci, en 2020, vous pouvez rajouter tout ce qui est bioéthanol, bio-machin truc, les forêts qu'on a coupées et qu'on a cramées dans des usines et compagnie. Ça représente à peu près ça. Puis après, il y a des trucs qu'on aime, qu'on trouve qui sont plutôt sympas. C'est l'hydraulique. Voilà. C'est ça. Et le nucléaire, en général, on voit un peu moins sympa, mais qui est quand même là aussi un peu. J'ai presque tout dit, il manque en fait les panneaux photovoltaïques, les éoliennes offshore et les panneaux les solaires à concentration, c'est ça. Le mix énergétique mondial de 2020 ressemble à ça. Donc en fait, l'énergie qu'on a aujourd'hui qui nous permet de fabriquer des tas de trucs, c'est très 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 principalement du gaz, du charbon, du pétrole, c'est ça qui nous permet d'avoir le niveau de vie qu'on a actuellement. Alors vous voyez, me dire, ouais, c'est marrant, entre 1950 et maintenant, on a aussi multiplié un peu la population. C'est vrai, on l'a multiplié par 3.
La consommation énergétique, quant à elle, a été multipliée par aux alentours de 10. Donc c'est bien que certes on a monté en population mondiale, mais on a aussi monté en consommation par personne. Et je vous laisse supposer qui a le plus gagné en termes d'énergie par personne entre les pays surdéveloppés et les pays qui n'étaient déjà pas beaucoup en 1950. Quand on dit qu'on a en moyenne multiplié par 3 la consommation énergétique des habitants de la Terre, c'est très très principalement les pays dits du Nord. Alors du coup, il y a des personnes qui vous disent bah, « c'est facile, pour régler ce truc-là, il suffit simplement de diminuer la population. » Bon, puis en plus, on va le faire en Afrique, parce qu'après tout, c'est là-bas où ils n'arrêtent pas de se multiplier, et ils font rien que de faire des enfants quand même, c'est pas cool. Non, non, à nouveau, comme c'est notre empreinte énergétique qui est la plus importante, si on veut supprimer une cinquantaine d'Africains, on peut aussi choisir de supprimer juste un Européen. Ça peut marcher aussi. Et puis surtout, un peu, c'est facile de se dire qu'on va aller zigouiller des gens à l'extérieur. Pour réussir à être soutenable avec la consommation énergétique de la France, il faudrait diviser par 6 ce qu'on a. Alors si vous voulez rien négocier votre mode de vie, et vous voulez à la place tuer des gens, je suis bon prince, vous allez choisir les 5 personnes de votre famille que vous zigouillez. Voilà, vous pouvez régler vos problèmes de famille comme ça. Voilà. Alors par ailleurs, ceci en compte, ça sert à quoi? Parce qu'en fait, on peut se dire, ouais, enfin, on a multiplié, mais moi je ne consomme pas, et il me semble... 5 fois plus de poulet et trucs comme ça que mes ancêtres qui vivaient 60 ans avant moi. Non, mais il y a ceci, ce genre de choses. Ce genre de choses, on ne les voit pas. Ce genre de choses est fabriqué à un moment ou à un autre avec du charbon, parce que ce n'est pas fabriqué chez nous. Ce n'est pas fabriqué chez nous parce qu'on n'a pas envie d'avoir des usines qui utilisent des procédés chimiques importants, dommageables pour l'environnement, bah, qui zigouillent typiquement les arbres et qui polluent les sols. On n'a pas envie de les avoir chez nous, on préfère que ce soit fouillé ailleurs. C'est un peu la manière de mettre sous le tapis, ce qui est invisible n'existe pas, donc voilà, potentiellement vous ne saviez même pas qu'on avait du charbon aujourd'hui. Et bien si, parce qu'on refuse d'avoir donc ce genre de choses chez nous, on ne peut pas produire ce genre de choses chez nous. Et par ailleurs, je passe sur les conditions sociales des pays en question, bien évidemment. On est très content d'importer des biens qu'eux ont fabriqués de la manière la plus sale, la plus sale selon nos standards, chez eux, pour ensuite nous les assembler chez nous. On est par exemple très bon pour vendre des rafales pour apporter la démocratie dans les pays où il y a du pétrole. Et bien, ces rafales, ils ne sont pas fabriqués, leurs fuselages, en France. Généralement, c'est plutôt fabriqué en tant que grosse pièce, parce que c'est de la métallurgie lourde, il faut extraire plein de minerais et compagnie. Ça, on ne fait pas des trous comme ça chez nous en France. On fait des trous ailleurs. Et une fois que le fuselage est fabriqué, ça ne coûte pas grand-chose en savoir-faire, on l'amène en France, et là, on assemble le rafale pour le vendre à l'Arabie Saoudite et aux porteurs de démocratie. Donc en fait, derrière notre mode de vie, il y a ce genre de choses. Et je pense que j'oublie un truc, non, si. Ouais, non, je sais pas. Voilà, toujours est-il qu'en tout cas, d'une certaine manière, la violence, ça se délocalise aussi parfaitement. Et notre mode de vie est appuyé sur des choses qu'on a délocalisées vers l'extérieur, et qui, quand on se dit que nous, il faudrait qu'on ne change rien, par contre, il faut que les Chinois ils arrêtent d'avoir des centrales à charbon, c'est un peu gonflé, parce que s'ils ont des centrales à charbon, c'est pour nous fabriquer des trucs pour nous. Donc, voilà, si juste, on ne peut leur apporter nos affaires. Et du coup, là-dessus, il y a quand même pas mal de gens qui, en gros, ne veulent pas vraiment savoir. C'est-à-dire que le premier poste de consommation d'un Français, c'est ses biens manufacturés. Genre, c'est tous les trucs qu'on achète qui sont fabriqués ailleurs. Machine à laver, frigo, téléphone, ordinateur, bien évidemment. Quand on numérise, quand on dématérialise, en fait, non. Il y a bien des trucs qui sont fabriqués à un moment, mais pas chez nous, à nous. Donc là-dessus, dans l'ensemble, globalement, tout le monde s'en fiche un peu, on ferme un peu les yeux et on n'a pas vraiment... c'est un espèce de non-problème, c'est pas vraiment résolvable. Puis effectivement, à l'échelle individuelle, ça me paraît compliqué de lutter contre ces choses-là. Mais au sein de mes collègues, on avait effectivement... Dans l'ensemble, voilà, c'était un espèce de non-sujet, donc valait mieux fermer les yeux et valait mieux, de toute façon, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ces sujets-là? Personne ne peut rien y faire. Parce que, en fait, ok, ça c'est très embêtant, on sait pas vraiment quoi faire contre.
Mais après tout, on a quand même un superbe modèle productiviste et de répartition des richesses qui va permettre d'arriver à régler ça par la loi de l'offre et de la demande, par les marchés. Alors moi j'ai un petit passif avec le modèle économique qui nous emmène avec tout ça. C'est que mon père était à peu près persuadé qu'il allait avoir une retraite de merde. Il était contractuel pour la fonction publique, c'est avec ça qu'on devient milliardaire normalement. Et il sentait, bossait à l'Office National des Forêts, il sentait que ça allait être un peu compliqué plus tard. Ma mère, c'était pareil, ma mère était assez facilement angoissée, donc tous les deux, ils ont fait un tas de calculs en se disant qu'ils auraient une retraite à la con, il valait mieux qu'ils achètent un maximum de choses maintenant à crédit, pour que quand ils seraient à la retraite, ils puissent en bénéficier. Ce qui était évidemment une excellente idée. Aucun des deux n'aura vu leur retraite, hein, les deux sont décédés avant. Néanmoins, ils se sont endettés. Donc ils se sont endettés parce que dans le modèle économique, on peut vous faire un plan où vous investissez 100 000 maintenant tout de suite, puis vous récupérez 1 000, pouf, 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 puis au bout de, bah, du coup, pour arriver à 100 000, 100 ans, au bout de 100 ans, paf, vous êtes revenu à l'équilibre, puis après 100 ans, vous avez plein d'argent. C'est ce genre de raisonnement, on en trouve plein dans les modèles économiques, c'est des raisonnements un peu toutes choses égales par ailleurs. Tout est supposé bien se passer, et dans ces modèles économiques, bah, on a vendu à mes parents des choses qui étaient remboursées intégralement en 5 ans. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça pour plusieurs raisons. La première, bah, c'est que déjà, rien ne se passe toutes choses égales par ailleurs dans la vie. Quand vous avez par exemple une maladie grave qui se déclare, bah, c'est pas exactement ce qui était prévu. Quand vous avez un locataire qui se barre, ou quand vous avez un ascenseur qui s'est effondré, ou quand vous avez un trou dans le plafond, dans le toit, ou n'importe quoi, ça fait des frais. Donc en fait, c'était pas amorti en 5 ans, il a mis 16 ans à les rembourser, puis à son décès, il y avait encore des trucs à rembourser. Donc le fait de se dire qu'en ne faisant rien, tout va s'arranger, moi c'est un truc que j'y crois moyen. Et puis, surtout, en fait, derrière, il y a aussi un autre problème, c'est qu'est-ce que mesure notre système économique ? Qu'est-ce que mesure l'argent qu'on a aujourd'hui ? Alors, petite question, d'après vous, est compté en tant que quelque chose ayant de la valeur économique une forêt ? Non. Non, pas du tout. Ça, on s'en fout. Une forêt débitée ? Oui. Et compter dans le modèle économique une zone humide qui est réservoir de biodiversité ? Je vois qu'on a affaire à des gens pragmatiques, c'est bien. La fidélité dans les couples ? Non, vous avez des applis après qui permettent de régler ça. Un jardinier bénévole ? Non. On s'en fiche. La production de drogue ? Oui. Oui, maintenant ça y est. La prostitution ? Oui. Ça y est aussi. Une perdrix ? Non. Une perdrix dans la nature, on s'en fout. Une perdrix abattue ? Là, ça, cette fois-ci, ça compte. Ok, bah, tiens, perdre la nature, t'es là. Avoir un imaginaire joyeux. C'est une gauchiste. À nouveau, donc, des figurines dérivées de dessins animés violents. Oui. Ouais, ça marche. Bon, notez bien que ça marche aussi avec les dessins animés pas violents. Une association de soutien au cancer ? Non. Bah, non, ouais, c'est, sauf s'il y a des salariés. On va supposer qu'il n'y a pas de salariés. Ça, je le dis. Bon, enfin bref, voilà, une jolie montagne, on s'en fout, la prostitution, je l'ai dit, c'est dedans. Bref, en gros, on peut s'amuser à un militaire qui garde l'arme nucléaire, ce sera compté dedans, un jardinier bénévole, ça, on en a rien à faire, voilà. On a un système économique qui valorise la prédation. Et vous avez un président américain, donc après, pas un marxiste, qui, à l'issue d'une tirade comme ça, où il listait ce que le PIB comptait, ce que le PIB ne comptait pas, concluait que le PIB mesurait tout, sauf ce qui faisait que la vie valait la peine d'être vécue. Président américain. Je veux bien qu'en ce moment, ils aient des blanchistes, mais quand même. Bon, par ailleurs, les entreprises, du coup, comptez sur les entreprises de la même manière qui, donc, ont besoin, pour être viable, d'avoir une rentabilité économique, donc avec cette économie-là, ce genre de calcul. Demandez donc aux entreprises d'arriver à faire quelque chose, bah, c'est un peu illusoire. Tant qu'une entreprise ne pourra pas faire une faillite parce qu'elle fait trop de dégâts à l'environnement, ou une faillite parce qu'elle fait trop de dégâts à la société, tant que la seule manière de faire faillite pour les entreprises, c'est de ne pas réussir à ramasser assez de ces trucs-là, qui mesurent tout sauf que la vie vaut la peine d'être vécue, ben ça paraît compliqué de se dire que les entreprises ont sauvé quoi que ce soit. Et à ce titre, justement, leur demander d'arriver à faire des choses bonnes pour la planète et pour l'environnement, tout en ayant ça comme indicateur uniquement, ça amène à ce qu'on appelle l'effet cobra. Qu'est-ce que l'effet cobra ? Alors l'effet cobra, c'est lorsque vous avez un objectif, et pour atteindre l'objectif, vous allez mettre en place des systèmes de mesures. Et au lieu de suivre le respect de l'objectif, vous allez suivre le respect de la mesure. D'où ça vient ?
en Inde sous domination britannique, vous aviez une prolifération de cobras, et c'est très agaçant les cobras parce que ça tue la force de travail, hein, et du coup bah, y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler, parce qu'ils sont morts. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont dit, il faut zigouiller les cobras. Ok, comment on fait pour zigouiller les cobras? Ben, on va mettre une prime, chaque cobra zigouillé, on ramène un peu d'argent. Donc au début, ça fonctionne bien, ils reçoivent plein de cobras zigouillés, ils sont très contents, puis ils en reçoivent beaucoup en fait. Ils en reçoivent tout le temps. Et en fait, ils ont compris l'astuce. Il y a des petits malins qui ont compris le truc et se sont dit, ben, on va élever des cobras. Donc ils élevaient des cobras, ils les zigouillaient, les ramenaient, puis pouf, cash, parfait, très bien. Le gouvernement se rendant compte de ça se dit, bah non, on va arrêter ça tout de suite. Donc du jour au lendemain, pouf, plus de primes aux cobras. Du coup, vous avez des gens qui étaient là avec leur élevage de cobras, c'est hyper dangereux, la cobra. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on regarde pas ça, ils nous ont rebalancé dans la nature. Bilan des courses, vous aviez à peu près autant de cobras à la fin qu'au début. L'objectif, c'était de réduire le nombre de cobras, et puis l'accomplissement de la mesure a pris le dessus. Ça fonctionne également en écologie, hein. Alors on peut penser ce qu'on veut des panneaux solaires, beaucoup de mal. Mais donc, vous prenez un panneau, vous prenez une incitation à mettre des panneaux solaires en Espagne en 2008, où toute électricité qui sort d'un champ de panneaux solaires est payée à un tarif excessif. Vraiment assez excessif, incitatif, dirons-nous. Vous avez du coup plein de gens qui se mettent à produire des fermes de panneaux solaires, plein d'électricité qui vient des panneaux solaires qui est mise sur le réseau, et vous aviez même des panneaux solaires qui produisent la nuit. Innovation? Ben non, les gars, ils ont foutu un groupe électrogène à l'intérieur de leur centrale à panneaux solaires, ça produisait tout le temps et ça permettait d'engranger l'argent. Effet Cobra. À quoi ressemble l'effet Cobra pour notre fabuleux système économique qui est supposé promouvoir la défense de la planète? Il a un nom. Le greenwashing. C'est lorsque, plutôt que de faire des choses positives pour la planète, vous faites croire que vous faites des choses positives pour la planète. Voici une pub but à gaz. Une bouteille achetée égale un geste pour la planète. On parle de gaz naturel, hein. Enfin, de naturel, de gaz fossile. C'est la même chose. Bon, le geste, je pense, c'est celui-là. Dans le même genre, qu'est-ce que ceci? De forme cylindrique, d'une hauteur d'environ 25 cm, cette bouteille d'aluminium contient de l'eau. De l'air. Effectivement, de l'air. Swiss Air Deluxe, une magnifique entreprise qui vous propose de comprimer de l'air suisse pour le disperser. Il y a 60 litres, 24 euros seulement. Vous pouvez le disperser ensuite dans votre appartement parisien ou hongkongais, selon vos préférences, afin d'avoir de l'air pur. De l'autre côté, qu'est-ce que ceci? Une magnifique petite bouteille stylisée en verre, verre poli pour le bas et verre et de l'eau d'iceberg, c'est la marque Berg. Là, il y a un iceberg qui se balade tout seul dans la nature, ça ne vaut strictement rien, mais un iceberg qui va être détruit par le changement climatique, d'un seul coup, ça a de la valeur. On est plutôt solide sur nos appuis pour sauver la planète. Bon. Donc, en gros, les règles nous amènent principalement à promouvoir nos ventes. Et puis si on n'a pas plus de ventes et qu'on a un concurrent qui lui vend plus que nous, bah, il va finir par nous racheter. C'est grosso modo ça que fait le système économique actuel. Il n'est pas du tout câblé pour mesurer les choses qui ne sont pas dans son périmètre. Donc, à partir de là, toutes les personnes qui se disent que le marché va régler tout seul, il y a probablement un trou dans la raquette quelque part. D'autant plus que notre système économique, il a quand même montré aussi un peu ses limites. Lorsqu'en 2008, vous avez la crise des subprimes qui a été à l'origine du surendettement de mes parents, c'était pas du tout lié à ça. Hein, ça, pour le moment, c'est pas encore trop arrivé. Pas chez nous, en tout cas. Donc, pas arrivé, selon notre référentiel. Par ailleurs, vous avez un cargo qui bloque le canal de Suez, et vous avez 12% de l'économie mondiale qui est bloquée. Par ailleurs, vous avez un coronavirus qui apparaît, et puis tout le monde qui se met à sortir des milliards du chapeau pour arriver à relancer l'économie. Voilà, donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ce titre-là qui est en train de nous permettre de piloter pour éviter ce truc-là? Moi, je me permets d'en douter. Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a
y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent et tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Hé tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Hé tonton, on va faire comment? Je suis pas tonton, je sais pas comment on va faire, mais en tout cas, voilà, on a ce qui nous est à peu près promis, ce qui fait notre mode de vie actuel, et le système économique qu'il y a derrière et qui est supposé arriver à gérer tout ça. J'arrête maintenant avec la description du problème. Donc moi là-dedans, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis là, employé d'une entreprise multinationale, et je vais essayer de chercher des réponses qui arrivent à régler ça. Et pour ça, je vais commencer à me mêler un peu aux militants climat. Donc les militants climat, c'est des gens tout à fait sympathiques qui essayent de lutter pour que on tienne compte de ça. Hein. Donc, grosso modo, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrive à se rendre compte de qu'est-ce que dit la science, de ce que dit la science sur la question du changement climatique. Et alors j'ai un petit problème avec ça, c'est que malheureusement, les militants climat, ils me ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que sociologiquement, c'est des personnes qui, comme moi, habitent plutôt dans un centre-ville, donc en l'occurrence à Toulouse, pour ceux que j'ai rencontrés, qui vont faire des marches pour le climat dans le centre-ville de Toulouse, hein, et qui derrière vont être près de 50% à être de classe socio-professionnelle supérieure, comme moi, et qui nagent en pleine dissonance cognitive, hein, puisque vous avez 27% des gens qui sont dans la marche pour le climat, les premières versions, qui vont prendre l'avion dans l'année qui suit. Ce qui est grosso modo le pire que vous puissiez faire pour votre empreinte carbone. Donc je suis avec ces gens-là et on essaye de trouver des solutions, on essaye de parler, mais bon, enfin, on est entre nous, quoi. On est complètement endogame et on n'est pas vraiment ouvert vers d'autres groupes, d'autres formes de militants. D'ailleurs, on n'est pas très dérangeant. Globalement, c'est pas nous qui nous prenons des cires d'LBD dans les dents. Quand on arrive à se prendre un jet de poivre dans les yeux, c'est à peu près tout ce que on est très content et on peut le faire tourner à un moment. Et par ailleurs, là, je me rends compte que dans les milieux qui sont sensibilisés, on peut être tout à fait sensibilisé et pas avoir très bien compris. C'est bête, mais être sensibilisé à la question climatique et savoir qu'il y a un problème et maîtriser ce qui est en train de se passer là, il y a quand même un petit gap. Il y a un petit gap et il n'est pas si évident. Et je retrouve du coup au sein des militants climat les mêmes réponses. D'une certaine manière, il faut manger plus bio, il faudrait que tout le monde recycle. Puis en plus, il faudrait que les pauvres ils arrêtent d'être pauvres parce qu'en étant pauvres, ils n'arrêtent pas de prendre des voitures de pauvres avec de l'essence dégueulasse qui ne fait rien que de mettre du CO2 dans l'atmosphère alors qu'en fait, ils pourraient prendre une voiture électrique et ça serait bien mieux. Sur ce point précis, ça se discute. Voici le genre de choses que l'on peut trouver. Vous avez d'un côté la famille Gaspi, de l'autre côté la famille Écolo. Merci à Gwendal et à sa fille surtout de m'avoir prêté ce magnifique flyer. Donc chez les Écolos, c'est bien simple, hein, vous avez des panneaux solaires qui eux sont... C'est même du top, un panneau solaire. Vous savez pas le panneau solaire? Ça séquestre le carbone. Hein. On m'a dit ça à la chambre d'agriculture de l'ONU. Ça séquestre le carbone, c'est-à-dire vous avez des plants de panneaux solaires comme des plants de patates, vous savez. Prend le carbone, puis dans ses racines, il l'injecte, puis il forme des petits panneaux solaires, vous les déterrez à la bêche comme ça. Et du coup, après, vous avez le panneau solaire, vous pouvez le poser sur votre toit. Voilà, donc bref, un panneau solaire qui n'est pas du tout fabriqué au charbon de Chine, donc qui est sur son toit chez les écolos. Donc vous avez papa écolo qui est avec son petit vélo allé acheter ses poireaux bio, pendant que vous avez bébé écolo qui avec ses petites lunettes est en train de jouer avec le chien, alors que de l'autre côté vous avez maman Gaspi qui est là en train d'acheter sa baguette triomphante, la clope au bec, dans sa voiture qui coule. On s'entend bien. Et alors après, quand je vous passe, franchement, c'est une perle. C'est une perle. Vous avez avec sa tête de bouffe, Gaspi, qui est en train d'arroser en plein jour, alors que de l'autre côté, ils sont en train de réparer la cuvette des toilettes, et puis de bien prendre l'eau du robinet pour ne pas trop en gaspiller. Bon, on retrouve cet imaginaire dans les militants écolos, ce qui est problématique. Et on retrouve, du coup, les mêmes solutions toutes faites il n'y a qu'à faire sa part. On fait sa petite part et derrière tout ira mieux. Donc il suffit d'expliquer le problème aux gens, puis après ils auront compris. Pas de bol, ce truc-là il est rigoureusement faux. C'est-à-dire que si vous avez 4000 euros chaque mois et que vous les dépensez en totalité, vous trouvez tous les mois moyen de dépenser vos 4000 euros, vous aurez nécessairement plus d'impact sur la planète par la quantité de biens que vous consommez que quelqu'un qui a juste 1000 euros tous les mois et qui dépense ses 1000 euros. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter tous les vos légumes bio, faire du recyclage, faire tout ce que vous avez envie.
À terme, si vous arrivez à dépenser vos 4000 euros tous les mois, vous avez plus d'empreintes carbone que quelqu'un qui a juste 1000 euros tous les mois. Mais qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone? Ben, y a deux choses. Vous avez l'émission carbone, c'est ce qu'on a chez nous, et vous avez l'empreinte carbone, c'est ce qu'il y a chez nous et chez les autres pour nous. C'est là où il y a vraiment une différence. D'un côté, dans l'émission carbone, c'est ce qu'on a sur le territoire. Imaginez, vous avez une cimenterie, une belle cimenterie française, voilà, hop, qui respecte les normes sociales et environnementales de France. Elle est en France. Problème, elle émet du CO2. Elle émet du CO2 et c'est pas bien, on a des engagements pour le climat qui sont à tenir, donc il faut qu'on arrive à réduire notre émission de CO2. Du coup, vous prenez votre grosse usine de ciment, vous l'amenez dans un pays un peu moins regardant, disons la Roumanie. Hop, vous avez maintenant votre usine de ciment en Roumanie. Elle respecte les normes roumaines. Bon, a priori, vous avez racheté des machines un peu au rabais, enfin, vous êtes un peu moins contraint par ces espèces de réglementations pénibles qui font rien que de vous embêter, donc vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Si avant, ça comptait 100 pour fabriquer votre ciment en CO2, maintenant, disons que ça coûte 120. En plus, entre les deux, il faut rajouter le transport. 10 à l'aller, 10 au retour. Vous aviez votre ciment pour 100 avant, vous avez votre ciment pour 140 maintenant. On peut se dire que c'est un mauvais bail. Finalement, on peut se dire que c'est plutôt mauvais pour la planète. Pour la planète, évidemment, mais pour nous. Avant, on avait 100, maintenant on a plus rien. Ah oui, c'est plus chez nous, c'est plus nos émissions, c'est à quelqu'un d'autre. C'est là la différence entre l'émission carbone et l'empreinte carbone. Notre empreinte carbone, elle est toujours de 140. Nos émissions sont devenues zéro. Bizarrement, quand on a un engagement de nos politiques sur les questions carbone, c'est plus sur l'émission que sur l'empreinte. Pour ne pas dire, c'est jamais sur l'empreinte. Et c'est ça qu'on retrouve avec le niveau de vie. Si vous avez 4000 euros que vous dépensez tous les mois, vous avez nécessairement une empreinte carbone qui est plus forte. C'est peut-être pas chez vous, vous la voyez peut-être pas sous vos yeux, mais vous avez forcément une empreinte carbone plus forte que quelqu'un qui a que 1000 euros. Bon, et ça c'est problématique, hein, parce que je vous rappelle qu'on est 50% de classe sup dans les militants climat. Et on n'aime pas forcément se dire qu'on fait partie des méchants. Alors par ailleurs, j'essaye quand même de m'investir un peu là-dedans, puis je rencontre du coup les... le public, très principalement, moi ma passion c'est de comprendre pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent au niveau écologie. Des fois on trouve des belles. Des fois on trouve des belles, je me moquais avec mon panneau photovoltaïque tout à l'heure qui sort du sol, mais on arrive quand même des fois à me faire des calculs du genre, on n'a rien expliqué. On a un projet magnifique en Gironde. D'un côté, on a mis plusieurs centaines d'hectares de photovoltaïque au sol, donc des panneaux solaires. De l'autre côté, du coup, on produit de l'énergie renouvelable. Donc ça c'est plutôt bien. L'énergie, elle est évidemment verte. Greenwashing jusqu'au bout. Donc vous avez de l'énergie qui est verte. Et en plus, comme vous avez maintenant une forêt qui a été rasée, on fait de la compensation. On va donner des fonds à des gens qui replantent des arbres. Principalement des palmiers à huile, ou des palmiers à huile, pardon, à l'autre bout du monde, hein, mais ça on s'en fout. Le tout, c'est que vous allez planter des arbres. Vous avez donc une subvention, quand même, magnifique. Ensuite, on donne de l'argent avec les revenus de notre centrale photovoltaïque pour les cantines des jeunes, des parages, pour les circuits courts. Et en plus, messieurs, dames, on va soutenir le bio dans les parages. Eh, ça, si c'est pas un magnifique bail, quand même. C'est-à-dire, vous perdez quoi d'un côté? Là, vous avez des panneaux photovoltaïques. De l'autre côté, vous avez quoi? Vous avez quatre trucs. Et là, ils en rajoutent même un cinquième. On a un logo vert. 500% de bénéfices. Alors, ce genre de raisonnement, on arrive quand même à l'avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une manière de comptabiliser les dégâts que ces trucs-là par rapport aux apports que font ces trucs-là. Et la quantité de choses, la vitesse à laquelle on brasse de l'air et à laquelle on agite les bras n'est pas du tout corrélée à quel point on prend le problème au sérieux. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas sérieux. On ne prend pas le problème au sérieux avec ce genre de choses. N'empêche que voilà, c'est difficile pour nous de se positionner sur ce genre de choses. On n'arrive pas forcément à bien se faire comprendre du public. Un panneau photovoltaïque, c'est forcément très bien. Bon, puis après, j'ai des réponses qui me reviennent assez régulièrement. À savoir, par exemple, on me dit « Oui, mais en fait, t'es marrant avec ton truc, là, mais on ne sait pas. On n'est pas tout à fait sûr. Peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. » Puis d'ailleurs, il y a peut-être d'ailleurs des scientifiques qui disent que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Moi, j'aime bien le parallèle avec la clope. Hein. C'est-à-dire que la clope, il y a plein de recherches qui me disent que c'est pas bon. Il y avait quelques-unes, d'ailleurs, elles sont subventionnées par des producteurs de tabac qui vous disent que si, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Et puis, c'est pas parce qu'on est sûr que ça va vous tuer qu'il faut arrêter. Rien ne vous empêche, effectivement, si vous fumez, d'être écrasé par un 36 tonnes en traversant la rue tout à l'heure, en cherchant un emploi, par exemple. Donc oui, ok, des risques, mais en attendant, est-ce qu'on a envie? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas sûr des risques qu'il faut absolument plonger et être la première là-dedans? Moi, j'ai envie de dire non.
Par ailleurs, on m'explique que oui, mais bon, on a toujours su s'adapter. Oh, celle-là, c'est la meilleure. Moi, je suis jamais mort, c'est bien la preuve que je suis mortel. Ou alors, on va m'expliquer encore que on va trouver. On va trouver une manière de faire la même chose en n'ayant pas les problèmes. L'optimisme. Voici une proposition, effectivement, d'une solution technique qui va nous permettre de résoudre ce problème. Le chat, vous connaissez le chat ? Bon, à nouveau, hein, niveau collège, en art plastique. Prenez un chat. Le chat est connu pour sa propriété physique très intéressante, qui est que si vous le jetez en l'air, il tombe sur ses pattes. Tant qu'il est vivant. Enfin, non, la tartine est également connue pour sa propriété que lorsqu'on la jette en l'air et qu'elle est beurrée d'un côté, elle tombe sur le côté beurré. Oui. N'est-ce pas ? Du coup, accrochez au dos de votre chat une tartine beurrée de l'autre côté. Vous sanglez tout ça. Vous trouvez une manière pas trop, pour le bien-être animal, hein, pas trop compliquée de maintenir en vie tout en lui passant un câble au centre. Vous jetez votre ensemble chat-tartine dans l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, la tartine tombe, mais non, le chat tombe, mais non, la tartine, du coup, le chat. Bon, et qu'est-ce qui se passe ? Bah, ça tourne. À ce moment-là, vous allez juste à prendre des aimants ici, voilà. Hop, vous mettez un gros alternateur là. Hop. Électricité. J'aurais juste des problèmes d'ingénieur à réussir à régler, genre que se passe-t-il si la force centrifuge éjecte le beurre, bon, ça ne marchera plus, ou est-ce que si le chat meurt, ça ne fonctionnera plus, bon, voilà. Des problèmes d'ingénieur, on s'en fiche un peu. C'est ce que j'entends quand on me dit qu'on va trouver une solution. Voilà. Une solution qui va nous permettre d'avoir la même chose que ce que nous permet ça, mais sans ça. Vous avez une autre qui fonctionne également très bien. Vous prenez une rallonge. Ça, les médias vous le cachent. Vous accrochez la rallonge sur une des trois prises de la rallonge. Qu'est-ce qui se passe ? L'électricité, elle est prise dans le cercle. Du coup, elle tourne. Puis vous pouvez brancher n'importe quoi, ça vous fait une source d'énergie. Les médias vous le cachent, ce genre de choses. Bon. Je trouve pas vraiment de solution avec les militants climat. Je trouve pas vraiment de solution en parlant avec les partis politiques également qui sont en place. Parce que vous avez quand même des postures très très dogmatiques. Je vous ai pris l'exemple du panneau photovoltaïque tout à l'heure. Dans les gens qui veulent une écologie radicale dans des partis d'opposition, il y en a qui sont absolument persuadés que le champ de panneau photovoltaïque, il est parfait, aucun problème à l'horizon. Et c'est très compliqué d'arriver à expliquer la physique qu'il y a derrière. Il y a une posture un peu violente. Et je finis par m'en aller. Je finis par m'en aller, je vais démissionner d'Airbus, je vais quitter Toulouse et je vais rentrer dans la maison familiale. Je vais rentrer dans les montagnes aux alentours d'Andorre, pour ceux qui voient à peu près où c'est. En espérant, à défaut de pouvoir trouver des solutions pour sauver le monde, me sauver un peu moi-même. Si la mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie, c'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Je deviens chômeur, puis je fais ma première demande de RSA à 25 ans, puis après je deviens prof. Bon, la chute. Non, moi, c'est le seul métier que j'ai trouvé qui était vraiment chouette, c'est vraiment intéressant et vraiment utile. Cela dit, donc, je pars dans les montagnes, et dans les montagnes, je fais d'ailleurs un truc que mon père voulait faire, mais qu'il n'a pas pu, puisque il avait un emprunt à rembourser, il avait la gestion de la famille à avoir. Il était passionné d'apiculture, il avait découvert l'apiculture un peu tard. Et du coup, j'ai par revanche un peu sur la vie, j'ai voulu prendre des abeilles et j'ai voulu moi faire l'élevage d'abeilles que lui n'avait pas pu faire. J'ai récupéré son vieux logo, puis bref, voilà. Et alors que j'étais en train de m'occuper de mes abeilles, je découvre un certain Nordhaus. Nordhaus, William Nordhaus, prix Nobel d'économie. Prix de la Banque de Suède d'économie. Hein. Dans la mémoire d'Alfred Nobel. Que nous dit William Nordhaus ? William Nordhaus, il nous explique que si on met ensemble sur un même axe, enfin sur deux axes différents, pardon,
Ici, l'élévation de température, non pardon, ça c'est le PIB, sur deux mêmes axes, donc d'un côté le PIB, de l'autre côté l'augmentation de la température terrestre, et bien en fait on peut s'amuser à calculer combien le changement climatique va nous coûter. Et en plus, c'est un économiste avec un prix Nobel. Donc si vous trouvez que ce qui va suivre est con, vous êtes des cuistres. Donc, il nous explique que si on augmente un peu la température, ça fait augmenter la croissance. Vous avez connu. Et il fait plus chaud l'hiver. Donc du coup, les gens travaillent dehors. Genre les ouvriers, ils peuvent travailler dehors. Bon, ça, c'est moi qui l'imagine, hein, parce que je vois pas trop comment on peut faire autrement. Si on augmente beaucoup la température, ben, en plus, il y a des trucs qui sont brûlés et qu'il faut réparer. Du coup, ouais, ça continue d'augmenter le PIB. Il faut faire les réparations de tout le bordel que j'ai décrit tout à l'heure. Et à un moment, ça stagne, et puis après, au bout d'un moment, ça finit par se casser la gueule. Oh, tranquille, hein. C'est-à-dire que si vous avez 6 degrés d'augmentation de la température, vous perdez 10% de PIB. 4 degrés, 120 mètres. 6 degrés, 10%. Pas de PIB. Alors, lui, ce qu'il explique aussi, c'est qu'il y a un maximum à 3,5 degrés. Où là, c'est parfait, on a réussi à coupler à la fois une réparation maximale et à la fois une augmentation de température qui n'est pas trop bien. Je ne sais pas comment on arrive à ce genre de résumé. Donc, j'ai supposé tout à l'heure les ouvriers qui travaillent plus l'hiver. On peut aussi se dire qu'avec l'augmentation de la température, les cadres ils sont obligés d'acheter des clims pour bosser dans leur bureau. Donc ça fait de la croissance, hein, n'est-ce pas? Puis après tout, les dégâts ils sont pas très grands, c'est-à-dire que vous perdez quoi? Bon, qui bosse dehors aujourd'hui? Quand on est sérieux, on travaille dans un bureau derrière un ordinateur. Hein. Donc, qui travaille à l'extérieur? Les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est pas beaucoup de monde. C'est pas beaucoup de monde, c'est pas beaucoup de valeur de PIB. Donc du coup, en fait, si on n'a plus d'agriculture en France, ça fait juste quoi, 3% de perte dans le PIB français. Genre de calcul hyper intelligent qui vous fait dire qu'on peut vous enlever votre cœur, il correspond à 1,5% de votre masse, vous fonctionnez 1,5% moins bien. Je finis par ne plus aimer beaucoup les économistes du modèle dominant qui vous expliquent que surtout il est urgent de ne rien faire. Parce que par ailleurs, ce même genre de calcul peut être fait sur mes petites abeilles. Mes petites abeilles, quand je suis en train de prendre mon temps de chômeur là, pour m'occuper d'elles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles font elles? En fait, elles vont polliniser la nature. Et en pollinisant la nature, elles nous prennent notre travail. Elles nous prennent notre travail. Si on faisait disparaître les abeilles, il faudrait polliniser à la main. N'est-ce pas? Si les abeilles disparaissaient, il y a un calcul magnifique qui a été fait qu'il y aurait 290 milliards d'euros de PIB, de dollars de PIB, qu'il faudrait compenser par de l'emploi. Ben forcément, il va falloir faire le service que rendaient les abeilles. Donc supprimer les abeilles, enfin, c'est pragmatique. Vous préférez le chômage ou les abeilles? Bon, je vais essayer votre camp. Voilà, ça c'est un modèle économique, bon, c'est parfait, on ne s'inquiète pas, tout va bien, c'est des scientifiques. Bon, je suis dans la montagne, je désespère un peu. Je dois reconnaître que je me sens un peu seul. Et pas vraiment, dans l'ensemble, les gens qui sont autour de moi, c'est pas non plus des personnes qui sont très sensibilisées, automatiquement moins que les cadres de centre-ville qui étaient mes amis aux alentours de Toulouse. Et du coup, je pratique les petits gestes. Bon, vous les connaissez, les petits gestes? Les petits gestes écolo. Pipi sous la douche. Pipi sous la douche, ouais. Le tri sélectif, ça va bien, ça. Fermer le robinet. Fermer le robinet. Ouais, le pipi sur le douche, le robinet des brosses à dents. Tourette sèche? Oh non, quand même. Non, là, ça c'est compliqué. Le compost, c'est frais. La lumière. Oh, effectivement. La température à la maison, manger végétarien, ce genre de choses, c'est bien. Manger bio, ouais. Ouais. Il me manquait quelques-uns. Hein. Il me manquait foutre le feu aux multinationales, guillotiner à grands propriétaires lucratifs et dégonfler des sujets. Mais sinon, pour là, je suis la caricature parfaite, hein, c'est-à-dire que je coche toutes les cases. Je coche toutes les cases et je me confronte quand même un petit peu avec mes voisins. Mes voisins, donc les montagnes, qui vivent en montagne, pas forcément toujours par choix, ils sont saisonniers ou ils habitent là depuis des générations, depuis longtemps et tout. Et je me souviens, en 2019, il y a un McDonald's qui est construit, juste, pas tout à fait en bas de chez moi, mais en gros, j'habite sur un plateau. C'est-à-dire qu'à 1200 mètres, vous avez les terres arables, puis après, c'est sur les côtés, puis ça monte à 1700, 2000, donc en fait, on ne peut plus rien faire pousser à cette altitude. Le seul endroit où on peut avoir un peu d'autonomie alimentaire, c'est à 1200. Et là, ils prennent tout un espace pour construire le McDo. Un McDo, c'est bien fait. Et réaction des gens, d'après vous? Ouais. Il était temps, on a la civilisation qui arrive chez nous.
Alors à ce moment-là, il y a les écolos qui sont pas contents et qui la jouent presque à la Boé à tout casser. Ça dure pas longtemps parce qu'après, ils font le même genre de calcul, vous savez, le truc con avec le photovoltaïque et tous les avantages à droite. Ils nous expliquent qu'ils vont subventionner la protection de la biodiversité locale. Genre, on se fait pas ton McDo et ça marche bien aussi. Qu'ils vont avoir plein d'emplois. Plein d'emplois. Puis des emplois d'handicapés en plus. Ouais, franchement, qui n'aime pas les. Enfin, là, bon. McDo, bien fait. Puis après, il y a un carrefour qui pop juste à côté, et ce carrefour qui pop juste à côté, il est magnifique parce que c'est des grandes baies vitrées qui vous permettent de voir la montagne quand vous faites vos courses. Les gens disent, c'est génial, on voit la montagne. Donc, je dois dire que je désespère un peu en voyant ces personnes qui ont cet imaginaire si profondément ancré d'abord pas que l'écolo, il nous veut du mal, hein, parce qu'il était évident que si on consommait pas le McDo, c'était peau de bête pour tout le monde et bougie. Instantané. Et du coup, il nous fallait le McDo pour le progrès. Bon, je suis interpellé à l'époque et je cherche d'où ça vient. Et alors là, on va faire un petit jeu. Si vous deviez faire tous les clichés possibles sur les écolos, tous les clichés possibles. Ça va. Le. Ça y est, Sarwell. Je sais pas. Je sais pas, je suis pas d'accord. Ça, c'est plus les hippies. Ouais, Les Crocs. Les Crocs. Non, il a des chaussures en cuir, écoute. Il a des sandales. Allez, passons sur le style vestimentaire. Quoi d'autre? Les camères. Ils sont mauvais. Les chiens. Il va à la Cop Bio. Il va à la Cop Bio, ouais, ok. Les vidéos. Ah oui, le vélo, oui. Effectivement. Il lave les couches de ses enfants. Il parle allemand. Il me parle de Bernard Friot aussi, mais vous avez rien à faire. Il achète des jouets en bois allemand à ses enfants, ça c'est sûr. Il achète des jouets en bois allemand à ses enfants. C'était écolo, t'avais des jouets en bois allemand. Ouais. Des croissants. En dehors. Oui. Il aime les croissants. Mais son pain. Ok, on va dire le do it yourself. Ok, non, mais surtout, okay. que dit notre bon président de, des gens qui sont trop riches. Les écolos, hein? La lampe à huile. Les amiches, ce genre de choses. Ils sont contre la technologie. Ils sont technophobes, on est bien d'accord. C'est des gens qui sont vraiment pas fréquentés. Obscurantistes. Et que voilà, franchement. Il a pas la télé, mais il était derrière. Je sais. Ok, laissez-moi vous parler donc d'un magnifique éditorialiste au Point, un journal qui est à Point du Progrès, qui va vous exprimer dans un long article une dystopie. Que se passerait-il si les écolos, ces gens qui ont tous ces caractéristiques, si les écolos prenaient le pouvoir en 2022? Mais avant de lire la dystopie, qui est Jean de Kervesdoué? Jean de Kirghizie ou de Kervesdoué? Donc, c'est un économiste de la santé français, ancien titulaire de la chaire d'économie et des gestions de services de santé du Conservatoire des Nationales des Arts et Métiers. Grosse pointure. Membre de l'Académie des Technologies, directeur général des hôpitaux, titulaire d'une chaire à l'Université Cornell en philosophie, et docteur en philosophie. Il est également officier de la Légion d'honneur. 77 ans, pardon. Vous savez, le point commun entre un anus et la Légion d'honneur? Petit rouge fripé, vous avez souvent une grosse merde derrière. Je vais pas couper, je vous lis. J'oublie quelques petits passages. Ah, vous m'avez pas dit les naissances. Ils aiment pas les enfants, parce que c'est interdit de faire des enfants. L'alimentation, on lève un peu avec la BioCop. L'alimentation est devenue inabordable car la France a décidé d'interdire l'importation de tous les OGM, dont le soja. A l'instar des betteraves en 2020, le rendement de toutes les cultures a baissé de 40% du fait de l'interdiction des produits phytosanitaires. Il est alors devenu difficile pour les cantines de respecter un vieil engagement des écologistes, à savoir se nourrir en circuit court, tant leurs produits sont onéreux. Au demeurant, les menus végétariens sont devenus la règle, mais les familles et les enfants, comme au temps de Louis IV, demandent du poulet au moins une fois par semaine. Du fait de l'interdiction des OGM, le coût des importations de coton a augmenté. La laine n'a pas non plus bonne presse, car on considère que c'est une violence faite à ces pauvres bêtes que de les tendre. On aurait pu avoir le point vegan, effectivement.
technophobe. Du fait du bannissement du moteur diesel, les grandes entreprises de l'automobile ont déplacé leur production dans les pays d'Europe de l'Est et en Allemagne. Il en est de même d'Airbus, touché par la crise et pénalisé en France, car il est interdit d'avoir des liaisons aériennes entre deux villes si elles sont accessibles en train en moins de 5 heures. Comme la 5G est également interdite en France, tous les chercheurs, tous les créateurs, tous les bureaux d'études ont déménagé. Non seulement l'emploi est rare, mais le coût de la vie a fortement augmenté. Ah, et vous en avez une tartine comme ça. C'est vraiment cliché sur cliché. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire la conclusion. Le zéro pesticide a aussi fait la joie des poux. Il n'épargne plus les adultes. Sarouel, on était pas loin. Les hommes se rasent. Les femmes les plus coquettes tentent sans succès des décoctions à base de plantes. Et sur Internet, on trouve des tutoriels dont le fameux « Comment s'épouiller mieux que les babouins ». Le Tour de France, banni de Lyon en 2020, a été banni de toute la France et s'appelle désormais le Tour d'Allemagne. La Marseillaise, trop belliqueuse, a été remplacée par un poème de Greta Thunberg avec pour son sonore. Pour son sonore, une bande reproduisant des cris de dauphins et des chants d'oiseaux. Mais heureusement, comme l'avait promis Yannick Jadot durant sa campagne en 2017, le cannabis est autorisé. Toutes ces difficultés se noient donc dans un brouillard psychédélique qui permet d'attendre le printemps. Yannick Jadot, ce grand ennemi du capitalisme. Moi, je trouve une petite réponse à pourquoi l'imaginaire si persistant sur le fait que je vois le monde, pas les écolos, au secours. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'il me reste, non ? Il me reste la voie de la sagesse. Hein, le fameux voyage à travers le désert, aller en Inde, chercher les religions, la spiritualité et sauver mon âme, ce genre de choses. Je me retrouve à participer à un forum dans un éco-hameau sur les éco-projets dans un écolieu. Quand tu mets autant d'écho d'affilée, ça fait un peu d'écho. Mais... Laissez-moi essayer de vous faire vivre ce grand monde. Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis prof de physique dans deux vallées à côté, j'ai vu qu'il y avait un forum, donc je voulais participer, puis c'est vachement sympa, le lieu que vous avez construit là, c'est tout rénové d'époque, c'est un monastère qui a été refait, et une chapelle, c'est propre, c'est chouette. Et le forum, il a lieu où du coup? La salle d'à côté. Ah, je l'ai vu en arrivant, mais je ne pensais pas que c'était là, parce que... Le grand vitrail avec les tapis indiens, la bougie en eucalyptus au centre et tout ça en cercle. Enfin, je m'attendais à un forum où il y avait des stands, des gens. Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas... Là, j'attends tout le monde, d'accord. Je vais m'asseoir sur un coussin. Mais parce qu'il y a beaucoup de monde, 18. Ils sont là depuis deux jours. Ah, c'est pas juste un forum, c'est un stage de permaculture humaine. Permaculture humaine. Moi, je connais pas. Je découvrirai. Ben bonjour tout le monde. Alors, pour se réveiller ce matin, on va se lever et se regarder droit dans les yeux. Deux à deux, sans dire un mot. Ben, d'accord. Sans dire un mot. On arrête le regard quand l'autre est d'accord, sans dire un mot. C'était lui. Bon, autant on a pu montrer récemment que ça pouvait avoir beaucoup de sens et être très intéressant avec des gens qu'on connaît et dans un contexte particulier, autant comme ça avec des randoms complets, c'est plus dérangeant qu'autre chose. Et alors, je vous passe les grands moments de bravoure de cette journée, à savoir, on va canaliser les énergies de la Terre, les amener dans notre corps, bien droit, pour faire qu'un avec la nature, et on va parler aux arbres, c'est important de pouvoir parler aux arbres et de les entendre, sentir les souffrances, parce qu'on peut guérir la Terre, avec nos mains, en mettant des pensées positives. Voilà, et également, il était interdit d'avoir son téléphone, là, bien entendu, ça envoie des ondes électromagnétiques, et c'est dangereux. J'ai déjà pris des coups de soleil, je le sais. Et puis après, enfin voilà, la complète hein, dans le genre. Donc c'était à la fois un peu long. Je me souviens de la fin où il y avait un gars, c'est pas sympa sur la physique, mais vraiment le gars il me disait en le voyant, il a l'air un peu allumé, qui remerciait le grand tout cosmique de nous avoir réunis ensemble toutes ces belles âmes.
Bon. Pour pratiquer de l'art énergétique toute la journée, c'était sympa. Bon, je dois reconnaître que je suis pas sorti de là avec beaucoup plus d'éco-projets que je n'étais rentré. Ça restait plutôt sympa comme moment, parce que c'est des contextes qui sont plutôt bienveillants en interne, mais je dois dire que moi je m'inquiète un peu quand même de la dérive que ça peut avoir, ce genre de choses. C'est pas tout à fait mon délire, il y avait vraiment un rejet de la science, au sens très général, dans ce milieu. Un rejet de la science qui était assez fort et qui était vraiment par principe, parce que la science, elle a pour objectif de couper les arbres. Quoi. C'est clair et net, c'est indiscutable. Non ? Vous n'avez pas appris ça, vous ? Enfin, moi non plus, la base. Hein. Mais là, vraiment, on est dans un rejet assez général, et du coup, l'ésotérisme était quand même très très fort dans ces milieux. Puis bon, j'ai l'impression que c'est des gens qui, dans l'ensemble, prennent la fuite, quoi. qui ne veulent pas changer le monde, qui vont se recentrer sur eux-mêmes, et qui vont faire du mieux qu'ils peuvent là où ils sont, mais ils n'ont pas spécialement prévu de s'ouvrir ailleurs. Donc moi, ce n'est pas une réponse qui me paraît très pertinente par rapport à ça. Donc, voilà, je sais pas, je me retrouve un peu coincé, parce qu'en plus, moi, la science, c'est un peu comme, pour moi, c'est un outil pour savoir, mon père m'avait un peu forcé à faire tout ce qui était physique et mathématiques, mais finalement, la physique, c'était vraiment mon modèle. C'est vraiment un truc que j'ai adoré, et j'ai continué de me former dessus après. J'ai bien vécu ma classe prépa, rare privilège. Derrière, pour moi, quand je me retrouve face à ces gens-là, je me reconnais pas vraiment là-dedans. Quoi. C'est un outil, de la même manière qu'un marteau, tu peux l'utiliser pour écraser le crâne de ton voisin, tu peux aussi l'utiliser pour planter des clous. C'est même plutôt sa vocation première. Et là, on a affaire à des gens qui considèrent que comme la science nous a amené là-dedans, ben, on se retrouve, elle est à rejeter dans son ensemble, dans sa globalité. Et le souci, c'est que j'ai un petit passif avec la science. J'ai un petit passif que je vais vous raconter. Mais voilà, je me retrouve donc coincé entre d'un côté des gens qui vous promettent un miracle technologique, et de l'autre côté des gens qui vous promettent un miracle de la nature, j'imagine, où on se connecte à la déesse. Et j'arrive pas à trouver là-dedans d'écologie rationnelle. J'arrive pas à trouver des gens qui ont vraiment un point de vue que je pourrais un peu partager avec eux, qui serait appuyé sur des données physiques et qui serait utilisé bien la science, plutôt que l'utiliser pour faire n'importe quoi. Là, non. C'est sur un tissu de mensonges qui s'effiloche que t'es prié de bien vouloir mourir le dimanche. Tu poses des questions, mais pour y répondre, y'a que le bruit d'une civilisation qui s'effondre et les discours enflammés des technoprophètes. Sans personne qui puisse arrêter le chronomètre, c'est assez tragique. Y'a pas débat puisqu'on sauvera pas le monde avec des mathématiques. Mais les défis rejetés quand nos parents choisir nous apprendre à compter avant d'apprendre à lire. Mais les gens préfèrent les dealers d'espoir qui leur laissent croire qu'ils écrivent leur histoire. J'ai un petit passif avec la science parce que je ne vous ai pas absolument tout raconté par rapport à ma situation familiale. Je l'ai dit au début, finalement ma mère est décédée aussi avant d'avoir atteint sa retraite et mon père s'occupait d'elle quand elle était malade. En fait, donc, elle avait une maladie neurodégénérative, la maladie de Parkinson, et lorsque mon père est décédé, elle a également eu des troubles et un traumatisme qui a provoqué des pathologies psychiatriques cette fois-ci. Alors je précise juste que je sais pas exactement ce que je vais vous renvoyer comme image. Je prends moins le temps de raconter cette histoire que d'autres. Je prends pas autant de pincettes que la conférence de ce matin, donc ça peut peut-être être un peu violent, je ne sais pas. Ma mère donc était atteinte d'une maladie de Parkinson et après le décès de mon père, elle a commencé à perdre complètement les pédales. Déjà pour deux bonnes raisons. La première, c'est que c'est mon père qui s'occupait de la maison. C'est mon père qui s'occupait également de son traitement de maladie, puisque quand on est atteint d'une maladie psychiatrique, on n'a pas nécessairement la capacité de savoir ce qui est bon pour soi. Et à partir de là, moi je me retrouve proche dedans, j'ai 21 ans, je suis encore en école d'ingénieur, j'ai rien compris à ce qui se passait, j'ai pas spécialement suivi qu'est-ce qui n'allait pas avec ma mère par le passé. Et je suis absolument incapable de dire quoi que ce soit sur son traitement psychiatrique et de dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour elle. Donc je la crois, et surtout je crois les médecins, je crois les scientifiques. Je crois les scientifiques qui lui mettent des traitements et des traitements et des traitements. Parce qu'elle, ne pouvant pas vraiment s'exprimer, ne sont pas très objectifs dedans, il restait à les différents signes qu'on pouvait voir de l'extérieur. Ma mère se retrouve avec une ordonnance qui est d'une liste de médocs, qui a genre 16 médicaments, je crois. 16 médicaments, donc vous en avez quand même une partie qui se renouvelle toutes les semaines. Donc a priori, ça reste des machins qui assomment plutôt pas trop mal. Ma mère se retrouve avec un certain nombre d'aides à domicile. Autant vous dire que du point de vue PIB, alors là, ça fait de l'emploi. Ça fait de l'emploi, pharmacie, tout ce que vous voulez. Et ma mère, au fur et à mesure, perd ses capacités d'abord physiques, puisque assez rapidement, elle se retrouvera coincée en fauteuil roulant.
Elle se retrouvera avec les jambes paralysées, puis perd ses capacités cognitives. Petit à petit, elle va également perdre ses capacités. Enfin, elle ne nous reconnaîtra plus, ou pas longtemps. Elle va être murée dans son silence ou murée dans des crises d'angoisse qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas forcément à l'aider. En fait. On n'arrive pas à l'aider, les médecins non plus. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que du coup, les médecins étaient supposés beaucoup la voir à ce moment-là. Elles étaient, c'est-à-dire qu'elle avait un rendez-vous avec le psychiatre tous les 3 mois, avec le neurologue tous les 3 mois, puis à chaque fois, ils se renvoyaient là-bas, là, bien entendu, personne ne sait exactement ce qui ne va pas, du coup, c'est la faute à l'autre. Et ils ne se sont jamais vraiment concertés l'un à l'autre. Et le traitement médicamenteux, je voyais bien que moi, ça partait vraiment en à-coup, dans une direction ou dans une autre, mais alors vraiment sans la moindre cohérence. À un moment, donc on enchaîne à ce moment-là, bien évidemment, les séjours en psychiatrie, les séjours en clinique, les tests à droite à gauche. Pour moi, ça devient ingérable, hein, je suis pas encore autonome complètement financièrement. Comme pour mes petits frères, c'est encore pire, vous imaginez. Et donc régulièrement, je fais des allers-retours pas possibles pour voir des spécialistes. Un jour, j'arrive enfin à avoir un spécialiste qui va m'expliquer ce qui ne va pas avec ma mère. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans presque, qu'elle elle se balade de service en service, qu'on ne sait pas comment ça avance, et que petit à petit, elle perd, mais on n'arrive pas à lui faire regagner quoi que ce soit. Et ce médecin, quand il me reçoit, il y a également mon oncle avec moi, le frère de ma mère, il annonce plutôt tranquillement, que bon, il est désolé, mais il ne sait pas ce qu'il peut faire. Il ne sait pas ce qu'il peut faire parce que ma mère, pour s'occuper d'elle et s'occuper bien d'elle, il faudrait le temps qu'il va consacrer par ailleurs à 10 autres personnes. Et il ne peut pas s'occuper de tout le monde à la fois. Il ne peut pas s'occuper de tout le monde à la fois, et ni lui ni d'autres. Hein. J'ai tenté d'aller voir un psy en libéral qui m'a entendu parler pendant une heure, a écouté ma mère parler comme elle pouvait pendant une heure, puis a conclu à la fin que je suis désolé, j'ai pas le temps, sous-entendu, elle est pas rentable. Donc là, ce gars, le gars qui était commis d'office, qui était responsable du fait qu'il y avait quand même un minimum un suivi dans le public, m'annonce donc qu'en fait, il ne peut pas s'occuper d'elle. Certes, il a le pouvoir de changer son traitement, certes, il a le pouvoir de ramener des aides, des infirmiers, il pourrait faire des choses, mais voilà, c'est dangereux. C'est dangereux parce que dès qu'on change son traitement, après, ben, elle se met à plus être pareil. Et c'est quand même plutôt pratique, les gens qui sont immobiles dans une camisole chimique. Donc tant qu'il n'y aura pas de syndrome vitaux engagé, eh ben, il fera rien. Alors je vous laisse vous imaginer que ma mère, à cette époque, ses fauteuils roulants, accrochés à ses poignets, la tête en arrière, la bouche ouverte, murée. Mais ça, c'est pas un pronostic vital engagé. Donc ça va encore durer un peu de temps. Ça va durer un peu de temps avant que finalement cette histoire ne se termine, mais moi si on m'avait dit ça au début. Mais... J'en prends ce qu'il a dit ce matin, mais on aurait tenté lourde, on aurait tenté la caillou-thérapie. Je l'aurais amené avec mes éco-perchés du village en Ariège. Je veux dire, on aurait tenté n'importe quoi qui faisait qu'elle y croyait un minimum. Parce qu'elle y croyait pas. Depuis le début, les médecins, les blouses blanches, ça lui faisait peur. Dès qu'elle arrivait en hôpital psychiatrique, c'était la panique à bord. Et je pense d'ailleurs que ça lui a fait beaucoup de mal à elle d'aller là-dedans. C'est ça qui a provoqué en fait la dégringolade de santé. Donc on aurait pu tenter tous ces trucs-là, mais non, on n'a pas pu parce qu'une fois qu'on est rentré dans le système médical, bah, du coup on ne pouvait plus en sortir. On ne peut plus en sortir parce qu'elle avait ses médicaments dont elle devenait complètement dépendante, qui modulaient complètement son humeur, sa personnalité, et les arrêter du jour au lendemain, ça aurait été complètement la condamner. Alors la science, oui, mais quand elle sait ce qu'elle fait. Quand la science ne sait pas ce qu'elle fait, évidemment, bah, faites n'importe quoi, enfin faites n'importe quoi, sauvez-vous, faites ce que vous pouvez pour vous. Le problème climatique, on sait par contre ce qui va se passer. On le sait, mais là cette fois-ci on ne prend pas acte. Bon, ça a pris encore 2 ans, c'était l'été dernier que ma mère finalement est décédée. Ma mère est décédée, puis avec elle, on va automatiquement, alors bien lentement, puisque il n'y avait pas spécialement d'espoir que ça aille mieux, et dans l'indifférence à peu près du personnel médical, au grand dam des aides-soignants, qui eux essayaient de faire des choses, mais qui n'étaient pas le psychiatre, qui n'avaient pas le tampon qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient. Lorsqu'elle est décédée, ben moi ça faisait 6 ans que j'étais son tuteur, parce qu'en fait j'ai réussi à avoir la tutelle de ma mère à mes 21 ans. Au moment où elle est décédée, mon oncle m'a dit un truc qui est assez fréquent dans ce genre de situation, c'est « ça y est, tu vas être libre ». Mes grands-parents m'ont rajouté une couche aussi, eux ils m'avaient dit « tu vas enfin pouvoir vivre ». C'est pas réponse faux. Néanmoins, derrière mes grands-parents, un peu plus tard, un mois plus tard,
On revu à un moment en face à face et m'ont dit, mais Arnaud, en fait, on s'inquiète un peu pour toi et tes frères. Parce que tous les quatre, on a l'impression que vous profitez pas vraiment de votre jeunesse, que vous profitez pas vraiment de la vie. Alors que maintenant, le problème est arrivé. Tout entendu. Comment te dire, papy ? Mon papy que j'aime et que j'adore, qui a fait sans doute une partie de ce que je suis aujourd'hui. Comment te dire, mais j'en veux pas vraiment de ton monde. Ton monde est tient sur ça. Ton monde est à cette logique-là, qui a provoqué l'endettement de mon père et qui a provoqué la mort de ma mère. Ton monde est à ça comme conséquence. Ton monde nous amène des décharges à ciel ouvert que vous avez en Afrique. Ton monde, il amène des animaux qui sont traités comme de la viande en puissance, le minerai de viande. Ton monde, il nous amène la domination sur des pays qui fabriquent des trucs qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Ton monde, il nous fabrique un bonheur plastique dont je ne veux pas, en fait. Moi, ce que je voulais, moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir le temps de m'occuper de ma mère. C'était quand j'avais 21 ans et que tous mes frères avaient 12, 17 et 18 ans, pouvoir plus souvent sortir avec eux puisqu'ils n'avaient plus leurs parents. Enfin, on n'avait plus nos parents. Moi, j'aurais voulu voir mes frères, j'aurais voulu voir mes voisins, j'aurais voulu vivre un peu plus au rythme des saisons, m'occuper plus de mes abeilles. J'aurais voulu pouvoir continuer ce que mes parents étaient en train de faire. J'aurais voulu pouvoir continuer à les randonner. Mais bon, il fallait que j'aille travailler chez Airbus. Donc, je sais pas, non, là, mon grand-père me demandait donc de rejoindre le rang des endormis, j'imagine, et profiter de la fête. Profiter de la fête en ne regardant pas, donc les conséquences, donc un comportement irresponsable et inconséquent. Irresponsable parce que ces trucs-là, on ne les veut pas chez nous. Inconséquent parce que ce truc-là, on n'en parle pas, pas assez. Et pire, ça justifie en fait même cette exploitation du monde, ça justifie ce modèle économique. Parce qu'à la fin, ils pourront dire que c'est la faute aux consommateurs. C'est nous qui l'avons demandé. Et là, mon grand-père, j'ai envie de te dire ça, ça vient de l'homme qui rit, un truc qui a inspiré le Joker de la haine des riches. Des riches, les 0,1%, les trous les plus puissants. Ça a inspiré ce truc-là. Vous êtes les grands et les puissants, vous profitez de la nuit. Mais l'aube arrivera et balayera vos privilèges. Quel est le père du privilège ? Le hasard. Et quel est son fils ? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir, je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout, et ce tout se compose du rien des autres. De cet immense univers, vous ne voyez que la fête. Sachez qu'il y a de l'ombre. Je suis l'avocat désespéré, et je plaide la cause perdue. Donc non, j'ai pas spécialement envie de rejoindre les endormis. Mais par contre, mon grand-père, mais j'aimerais qu'il arrête de minimiser aussi un peu la chose. Qu'il arrête de se dire que tout va bien, qu'après tout on sait pas, qu'après tout, bon, voilà, profite avec tout le monde. C'est tellement confortable aussi d'être avec tous les gagnants, puis si on se plante, on se mentera avec tous les autres, plutôt que d'être tout seul à crier dans le désert avec absolument rien derrière. Mais derrière, on dira merci qui ? On dira merci des médias, médisant de la haine et en dépliant, et leurs potes vendeurs d'âme, prétextant qu'ils ont des clients, des carcasses de gosses qui pourrissent en silence, de la chair sur un os pour ces chiens de la finance. Ils vont finir l'assiette en deux, trois coups de langue, et on va bien sûr prendre ce putain de boomerang, il y aura 1 milliard d'empreintes digitales dessus, dont les tiennes. Je sais, t'es déçu, t'as grandi dans le confort des tout, bah, tu t'es pas suicidé, t'es coupable. Alors, pas la peine de chialer que t'as pas choisi ça, allez, prends ton salaire, fais tes achats, fissa, voilà ton destin, bah, tu seras pas Midas, non, ta seule couronne sera sur tes sapes Adidas. Maintenant, regarde tes mains, mon frère. Si, je t'assure qu'il y a du sang dessus, même si tu sembles sûr du contraire. Il y a du sang sur la bouffe qu'on apporte par tonne, et il y en a plus sur la téchousse que ton empreinte carbone. C'est des geysers de sang qui jaillissent des plateformes, et c'est du sang qui dégouline de ton putain de smartphone. Toi, tu fais tes bails, bah ouais, que Dieu te pardonne, entre la sienne et celle des hommes, ta morale, c'est la lome. On est né du bon côté de la planète, pas de bol pour les autres, on leur prépare un continent de plastoc. J'ai pas réussi à répondre ça à mon grand-père. Mais du coup, je sais pas, papy, tente un truc. C'est un truc, t'es vieux, t'as 80 ans et quelques, si tu veux la payeras pas la facture. Mais si tu te soucies un minimum effectivement de notre bonheur, va sur n'importe quelle manif, fais des blocages. Ils aiment pas les flics avoir des vieux en face, c'est pénible à trimballer. C'est pénible, ils arrêtent pas de se blesser, ça fait des morts, j'aime pas ça. Les jeunes, à la limite, c'est plus simple. Les jeunes, c'est bien connu, ils sont un peu cons, ils sont idéalistes et tout. À coup de ton fort, on les rendra bien droits, bien de droite. Donc ça finira par se régler. Les vieux, ils aiment moins, donc je sais pas, si tu en soucies, fais un truc et viens. Vote mieux, je sais pas, mais arrête de justifier le statu quo.
Un furieux sentiment d'impuissance me terrasse. Me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction. Et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde. Je n'y trouve pas ma place et je suffoque perdu dans le détail des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure. Écrase tout sur son passage, monte au bord de la rupture. Intérieur, c'est la panique, les neurones court-circuitent. Ça va trop vite pour établir entre les tous la suite. Pour qu'ils soient la race des puissants, les cuilleurs du chaos. Leurs instincts suicidaires et leurs penchants pour l'échafaud. Point des lèvres, toujours cette ardence, ce petit rictus. Mais ils oublient pour aussi, il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train. J'aimerais bien arrêter ce train, mais a priori j'ai pas choisi, je suis dedans. Je suis coincé voilà, entre les illuminés, les endormis et les somnambules qui se croient réveillés. Et j'ai pas trouvé de solution, bien évidemment, à la question climatique. Et de toute façon, c'est pas une question d'ingénieur. Je veux dire, multipliez tout ce que vous voulez avec de l'hydrogène, avec tout ce que vous avez envie, vous ne résoudrez pas ce truc-là. On peut trouver des solutions à base de, je me suis dit, par 80 parcs nucléaires. Enfin, ça a toujours des conséquences ailleurs, il n'y a pas de solution. À un moment, il faut admettre que pour plus avoir les conséquences, il faut arrêter d'alimenter les causes. Et par contre, moi j'ai pas de solution, d'accord, j'ai mon avis, que je viens de vous donner. Mais il y en a d'autres qui peuvent trouver des solutions. Mais déjà pour ça, il faudrait commencer par le voir, ce truc-là. Par les voir, les conséquences de nos modes de vie. Et je pense que si on les avait déjà en France, pour n'importe quel pays développé, ce serait valable. Si on les avait un minimum chez nous, c'était dans nos montagnes qu'on faisait des trous, c'était nos nappes phréatiques qu'on zigouillait complètement avec nos déchets, c'était nos rivières qu'on polluait avec les traitements chimiques des effluents, si c'était nos terres qu'on devait raser pour fabriquer des usines de fabrication de nos smartphones et compagnie, peut-être si on avait nos conséquences sous les yeux, peut-être qu'on réfléchirait à deux fois sur le besoin terrible d'avoir une nouvelle génération d'iPhone chaque année. Et ça c'est une piste de réflexion, mais surtout il y en a une autre qui est très intéressante. C'est que l'année dernière, en réponse à la crise des Gilets jaunes, vous avez vu la Convention citoyenne pour le climat. 150 gugus tirés au sort. Des gens qui venaient d'un petit peu n'importe où, qui étaient sans doute pour une partie d'entre eux, des gars qui faisaient partie des manifestants, contre l'augmentation du gasoil, c'est de là que c'est parti, les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 150 personnes? On leur a expliqué ce truc-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent de diminuer la vitesse sur les autoroutes, tout seuls comme des grands. Le truc contre lequel les Gilets jaunes se sont levés. Ils vous proposent d'avoir des menus végétariens. Ils vous proposent tous les trucs que Carbasse Doué décrit comme les machins des Amish, quoi. Et alors pire, ce qu'ils ont voulu proposer, mais qu'ils ne l'ont pas fait par autocensure, c'était la décroissance. Mais qui parle de décroissance dans ce pays? 150 gars, vous les prenez au sort, vous leur demandez de faire quoi pour l'écologie? Ils vous disent des panneaux solaires, vous faites bio et recycler. Là, vous les faites réfléchir, vous leur donnez du pouvoir, vous leur donnez une capacité d'autodétermination, ils vous proposent des trucs sérieux. Ils s'affranchissent de ce truc-là, qui n'a pas de sens, c'est une convention humaine. Et si vous leur donnez du pouvoir et qu'ils peuvent décider un peu par eux-mêmes, pas comme ma mère qui, elle, n'a plus rien décidé de rien, et bien ils vous proposent des choses qui bougent, ils vous proposent des choses qui vont dans le bon sens. Donc moi, ça me paraît un bon début. On regarde un minimum ce qu'on a sous nos yeux, et on délibère ensemble, et a priori, on arrive à faire des ateliers, faire de l'intelligence collective et trouver des choses intéressantes. Puis, je sais pas, il y a tellement de trucs à récupérer par ailleurs. Moi j'étais pris dans mon boulot et je devais prendre du congé sans solde pour aller m'occuper de ma mère ou pour aller voir pendant les vacances mes frères. Il y a le temps qu'on peut récupérer. Il y a du lien, je sais pas. On en est arrivé à un point où ma mère, j'ai dû sous-traiter sa gestion à un EHPAD et à une famille d'accueil. Bon, c'était très bien, ils ont fait ce qu'ils ont pu ces gens, j'ai rien contre eux, mais j'ai dû sous-traiter. J'ai dû envoyer ça à quelqu'un d'autre. J'aimerais bien que justement on récupère comme ça, ce temps qu'on récupère les liens qu'on a avec nos voisins, je sais pas. Donc il y a un autre monde qu'il faudrait construire, mais il y en a qui vont pas être d'accord. Là, c'est l'étonnant du monde actuel, et je sais pas ce que vous en pensez, mais bon déjà, il y a tout un tas de laquais qui sont tout à fait d'accord pour qu'on continue la fête, et surtout pas mettre la moindre limite à nos modes de vie. Hein, le mode de vie des Américains n'est pas négociable, celui de nos riches non plus. Et vous avez par ailleurs tout un tas d'armes de distraction massives qui font que dans l'ensemble, on n'a rien à foutre de ce problème-là. Et vous avez le capitalisme, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il en cas de besoin, et il se marie plutôt bien avec les systèmes un peu autoritaires. Donc je ne suis pas rigoureusement certain qu'ils ont construit une alternative à côté, ils la verraient du bon oeil. Et la ZAD dont tu as parlé tout à l'heure est un bon exemple que non.
Donc là, ce serait alors pas forcément. Quand on voit ce truc-là, on peut être très paniqué, on peut se dire à l'échelle individuellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un bunker et je vais apprendre à tirer dans mon coin. Non, non, ça va pas être la fin du monde, ça va être la fin de leur monde. Ça va être la fin de leur monde à ces gens qui veulent absolument que l'argent ne leur donne aucune limite. Ça va être la fin du monde des gens qui vivent sur nos frustrations, qui vont être capables de nous vendre des machins pour compenser. Ça va être la fin du monde de ceux qui veulent tout marchandiser, jusqu'à l'air et jusqu'aux liens sociaux qu'on a les uns avec les autres. Et qui va résoudre ce problème-là? Qui va donc se battre pour faire émerger ce nouveau monde-là? Certainement pas les écolos. Certainement pas les écolos tout seuls, en tout cas. Parce que l'écologie, c'est pas un problème d'écolo. Il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est que ce monde, il y a plein de personnes qui sont contre, pour plein de raisons différentes. Ils n'ont pas forcément intégré la question écologique, mais c'est pas grave. Si on est capable de discuter les uns avec les autres, alors on est capable de se mettre ensemble à un moment quand il faudra construire de nouvelles règles avec les uns et les autres. Arriver là-dedans avec une société individualiste et qui ne veut pas négocier son confort de vie, ça c'est effectivement mission impossible. Mais si on s'organise un minimum, ben voilà, on peut arriver à avoir des comportements intelligents. Donc, je sais pas, il y a tellement de gens qui luttent. Je pense que ça me paraît important pour moi d'arriver à les comprendre. Ça paraît important pour eux, ça me paraît important pour eux qui comprennent, moi, les trucs qui me tiennent à cœur, qui comprennent ces problèmes-là. Et donc, ben, écoutez, moi je sais pas exactement de quoi, mais là je vais avoir manif. Donc on va aller voir, tant que c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir s'opposer au monde qu'on a actuellement, ben, y a un pont à faire, il y a des gens avec qui il faut être capable de discuter, il faut être capable de construire autre chose. Donc bon, moi je m'en vais, je vais les rejoindre, j'espère qu'on se retrouve la veille, et moi je vais laisser le mot de la fin à Ayam. À défaut d'argent, putain de bon du temps, en bouche le mot liberté devient insultant. C'est les soldats qui portent dans plus le vent, comme si le monde était rempli de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose, je cultive maintenant les roses dans mon microcosme. C'est quoi ta conf? La conférence, c'est une conf sur l'écologie. Voilà, que principalement, il faut savoir pourquoi on vit en société, pourquoi on produit ce qu'on produit, pourquoi on utilise autant d'énergie, ce genre de choses. Ce que tu dis très rapidement au début en disant c'est pas un problème d'ingénieur, c'est un problème politique. Exactement. On assiste actuellement à une génération entière, jeune, dont le principal accès à la question politique, c'est la question climatique. C'est l'écologie, disons. Je suis assez d'accord, mais c'est pas forcément politique derrière. Il y a beaucoup j'ai croisé beaucoup de militants climat qui sont assez apolitiques, enfin, qui se revendiquent apolitiques, et qui est une fausse solution, dont les mécanismes vont être sur la responsabilité individuelle. Enfin, oui, et puis l'illusion de faire quelque chose de concret. L'illusion de faire quelque chose de concret, je vais tirer sur un camp que j'aime bien en plus par ailleurs, c'est les véganes, par exemple. Ouais. Qui sont des gens qui pour certains, se politisent finalement avec le véganisme, mais qui prennent ça vraiment très, très en tant que comportement individuel. C'est une question morale, il y a une forme de bien, de mal. Il y a des choses qu'on peut tolérer, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, et qui vont agir en fonction de ça. Et ça va être une manière de se politiser, mais c'est tout à fait, ça s'inscrit parfaitement dans le modèle dominant aussi. C'est une critique qui est parfaitement absorbable par le capitalisme. C'est clair. Je vais lancer le gros mot direct, mais c'est une critique qui est absorbable par le capitalisme. Et on a beaucoup ça aussi dans les militants. On a des militants climat qui sont assez apolitiques, en fait. Moi, si je pousse le raisonnement jusqu'à son comble, je dirais que tant qu'on s'attaque pas à la question du droit de propriété, par exemple, c'est-à-dire la possibilité d'empêcher des cargos de faire le tour du monde pour nous livrer des marchandises fabriquées là-bas, on est réduit aux éco-gestes. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que bon, or la question du droit de propriété, pour l'instant, ça fait deux siècles qu'elle est formulée sous l'angle du communisme, quel que soit le nom qu'on donne à ça, qui actuellement est un mot, une idéologie inaudible. Enfin, pour l'essentiel de l'humanité, à part quelques vieux
Marx plus 12. Donc en fait, il y a une vraie impasse, c'est-à-dire que quand tu dis que le capitalisme peut récupérer le geste écologique, il peut même en faire son beurre, c'est-à-dire il peut à la fois proposer des solutions. Oui, capitalisme peut se présenter comme la solution, enfin le recours face au désordre climatique. Alors là, il y a plusieurs choses. Parce que t'as le capitalisme qui va intégrer la critique écolo et qui va réussir à balancer finalement la responsabilité individuelle, ce que tu disais juste avant sur les cargos qu'on va pas pouvoir nous critiquer en tant que consommateurs. En tant que citoyen on pourrait, mais on est consommateur, donc en tant que consommateur on peut pas. Et alors déjà, t'as déjà un premier degré d'appropriation du capitalisme et de la question qui est que t'as une valorisation sociale à être bien dans le bon camp, à acheter vert, à aller à ta biocoop, à aller faire ces trucs-là. Et puis si toi, tu te déplaces avec ton vélo électrique pour faire un truc que t'aurais peut-être jamais fait avant, t'as quand même ta voiture thermique, mais t'as aussi ton vélo électrique, t'as les deux, tu vois. T'as rien résolu au problème et tu peux te dire que t'es sur ton vélo électrique et que du coup, finalement, c'est vachement, vachement mieux que quelqu'un qui prend sa voiture. Et sans doute, par rapport à si tu prenais la voiture, ce serait mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une distinction sociale que t'achètes avec des espèces de petits éco-gestes. Donc là, t'as déjà ce premier niveau-là. Et le deuxième, ça va être par rapport à la résolution. Et la résolution, le climat, c'est un problème complexe, et j'essaye de le montrer rapidement au début avec dans ma conf, mais quand on essaye de résoudre un problème à un endroit A, en général, on pose le double des problèmes à un endroit B et C. Et il n'y a pas de solution miracle, parce que fondamentalement, notre société fonctionne sur l'exploitation de ressources, sur l'utilisation d'énergie, et il n'y a rien qui consistera avec des exploitations de ressources et de l'utilisation d'énergie qui va résoudre le problème d'exploitation des ressources et de l'utilisation de l'énergie. D'accord, mais tu donnes entièrement raison aux effondristes, aux collapsologues et aux gens qui disent c'est la fin du monde, il n'y a plus qu'à l'attendre, à la voir venir et à se préparer. Tu parles pas de ça dans ta conf d'ailleurs, tu les nommes pas. Je les nomme plus. Parce que sinon je les mets au même niveau que d'autres. Alors oui, je veux dire, on est d'accord que ce que tu viens de dire à l'instant peut rentrer dans une logique qui est il n'y a pas de solution. Et comme le système changera vraisemblablement pas à moins d'une révolution mondiale, je veux dire, on va de toute façon vers l'effondrement. C'est deux choses séparées. Il n'y a pas de solution à quoi et vers comment peut changer le système. C'est là où je partage pas forcément le diagnostic avec les personnes qui vont être assez effondristes. Déjà, juste pour finir, le capitalisme, du coup, derrière, peut tout à fait proposer des solutions qui vont nous rendre notre air à nous plus beau et ce genre de choses, voire nous faire croire qu'on va trouver une solution technologique. Et ça, c'est un truc qui est hyper ancré dans l'imaginaire, c'est un truc de dingue. Vraiment, il y a plein de personnes qui imaginent qu'on va réussir à avoir le beurre, l'argent du beurre, la crèmerie, enfin, vraiment, on aura tout. Et surtout pas à se poser de questions, dormir tranquille. Bon, mais pour revenir du coup maintenant sur la partie effondriste. La fin, y en a qui disent qu'on va attendre la fin, mais la fin de quoi? Parce que si c'est le confort qu'on a actuellement, ouais, on peut effectivement attendre la fin, et on peut aussi du coup se mettre dans un coin, apprendre à survivre, accumuler de la bouffe, et apprendre à tirer, voilà, et puis... Mais bon, est-ce que c'est vivre, survivre? Enfin, c'est un des non, points c'est survivre, sur lequel... les survivalistes, ouais. Enfin, je veux dire... Pour ce que je connais des discours collapsologues, c'est de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre alternative. Enfin, ouais, donc on y va, autant s'y préparer. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imaginaire d'alternance, de substitution, etc. Il y a un côté pessimiste à ce titre-là. Parce qu'en gros, on va voir les effondrements. Il y a plein de mouvements, plein de mouvances et plein de philosophies qui vont. Il y a du CO2 qui passe. Alors, c'est en passant, l'agriculteur avec son tracteur, c'est 2% de l'envoi énergétique, de l'envoi de gaz à effet de serre. C'est pas tellement le tracteur, le problème c'est les engrais et le méthane avec la viande, mais bon. non. Donc, les gens qui vont dire qu'il va y avoir un effondrement. Je te coupe la parole. Vas-y. J'essaie de former. Qu'est-ce qui fait que tu. Parce que j'ai entendu ta conf. Mm-hmm. Là, les gens vont l'entendre. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas collapsologue? Dans le collapsologue, va me suivre sur une grosse partie du raisonnement, et c'est sur la fin. Moi, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont envie de lutter contre ce système. Moi, je veux la conscience citoyenne pour le climat. Je me dis qu'il y a des gens qui, quand on se met ensemble et quand on réfléchit, on arrive à des choses. Quand je fais des fresques du climat où on a de l'intelligence collective, à la fin, les gens comprennent, s'expliquent, se donnent des astuces. Je crois vraiment au fait qu'on est capable encore de réagir. Là où les collapsos sont arrivés au même stade, à la même réflexion, on voit le même monde et voit la réaction du capitalisme, et eux se disisent on s'en sortira pas, on s'en sortira pas, c'est pas la peine, même lutter, même essayer de rejoindre les mouvements sociaux et tout, ça ne sert à rien, on va se faire bouffer, autant préparer l'après entre nous. Et après, il y a plein de branches dans les collapsos, entre ceux qui vont être survivalistes et qui vont dire nous et nous seuls, et ceux qui vont dire on se prépare nous pour accueillir ensuite d'autres, etc. Moi j'ai tendance à penser quand même qu'aujourd'hui, si on fait des ponts avec d'autres personnes qui ont d'autres revendications,
Et si on arrête du coup en tant que militant écolo à attendre une solution parfaite qui n'existe pas, si donc on arrive à se fédérer, à faire de la, de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, on va, mais, et bah peut-être on peut s'en sortir, et que ça vaut pas le coup de lâcher l'affaire maintenant en fait. Et c'est à la limite ça qui va me séparer d'un collapso. Parce que toi tu fais... t'as quel âge ? J'ai 9h28. Ouais, salaud. En fait, ce qui me frappe, c'est que tu es la première génération, à mon sens, qui voit une vraie possibilité de fin du monde. Non plus en termes de science-fiction, mais en termes réels. Et la question que je me pose, moi qui en ai, j'en ai 66 aujourd'hui, donc moi je vais bientôt quitter le paysage, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que naître dans un monde dans lequel on ne t'annonce que des mauvaises nouvelles? Alors je te passe sur le chômage, le terrorisme, enfin tu vois maintenant les virus. Et donc il y a le climat qui arrive. Moi je vois arriver l'argument climatique gros comme une maison de la part de la classe dominante, enfin, qui va restreindre nos libertés encore plus pour des raisons climatiques. Et je me dis, mais moi qui fais partie d'une génération qui a nourri beaucoup d'illusions, d'espoir, enfin si tu veux, Lénine, Staline, Mao, enfin la Chine, Cuba, enfin tu vois, avant qu'on se rende compte qu'il y avait quand même un gros problème avec ces régimes, on pouvait croire, et ça change tout, ouais, qu'il y avait une alternative en Chine, en Russie, à Cuba, dans d'autres pays du monde. Et le fait, bonjour, le fait de vivre dans un monde où il y a une alternative, si tu veux, c'est motivant pour se battre. À partir du moment où tu vis dans un monde où partout on te dit qu'il n'y a pas d'alternative, qu'est-ce que ça fait à la personne? Enfin, qu'est-ce que c'est que vivre jeune dans un monde comme ça? Enfin, c'est... Ouais. Je suis pas forcément la meilleure personne pour répondre à ça. Et puis c'est très personnel pour le coup. Mon petit frère à la limite qui a 19 ans et qui lui m'a vu faire mon virage vers ces questions écologiques alors qu'il avait 13 ans. Je pense que lui, la question du sens du monde dans lequel il vit est beaucoup plus présente encore que pour moi. Moi, j'ai tendance à penser qu'on n'a pas un modèle qui est bien défini, qui est bien établi, effectivement, vers lequel on peut se dire on peut lutter pour autre chose. Mais il y a aussi les excès de l'époque, qu'on peut juste se dire, enfin, moi, c'est l'exemple que je prends, c'est le temps. Le temps de faire des choses par soi-même plutôt que de les acheter. On les achète parce qu'on n'a plus le temps de les faire par soi-même non plus. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Un autre exemple. Il y a tout un imaginaire, pardon, qu'on peut récupérer. Tout un imaginaire de... consommer ne amène pas forcément du bonheur, et on peut retrouver du coup des tas de choses, des tas de vecteurs d'émancipation personnelle ailleurs que dans ce que nous propose le capitalisme. Donc finalement, il n'y a que lui, effectivement. Il n'y a que le consumérisme aujourd'hui, mais en fait, il y a toujours un tas d'autres choses qu'on peut s'imaginer, vers lesquelles on peut aller. Attends, je vais prendre un exemple. L'exemple que j'aime bien, c'est la randonnée. La randonnée, c'est un truc qui est bas carbone. La randonnée consiste à te baisser ton niveau de vie. Et pendant que t'es en randonnée, pendant 5 jours, 10 jours, moi j'aime bien faire des randonnées assez longues comme ça, t'es tout seul, tu t'ennuies, tu te fais piquer par des insectes, t'as la peau cramée par le soleil, tu dors mal, tu manges des trucs qui sont pas terribles, tu te douches dans des rivières qui sont à 3 degrés parce que t'as les glaciers juste au-dessus, et à la fin, t'es quand même content, puis tu passes ton temps à marcher et tu réfléchis, tu chantes des chansons avec tes copains si t'as des copains avec toi, tu rentres chez toi et puis t'as ton niveau de vie qui est supérieur en fait. Quand tu rentres chez toi, t'es dans un matelas qui est hyper confortable, tu sors de la bouffe de ton frigo, elle est trop bonne, elle est trop prête, y a aucun souci. Tu vas dans ta douche et puis t'as de l'eau chaude. Enfin, et en fait, tu récupères un niveau de confort. Et en fait, même s'il n'y a pas une alternative qui est très précise d'une autre manière d'être heureux, d'un autre modèle qui est possible pour le monde entier aujourd'hui avec la seule issue consumériste et capitaliste, il reste ces choses-là que juste redécouvrir le goût des choses simples qui sont sous nos yeux, qu'on oublie. Et ça, c'est un discours que j'aime pas non plus énormément parce qu'il consiste à dire il faut faire la paix avec soi-même et il faut arriver à profiter de la vie. C'est facile pour moi qui suis à ce titre assez, qui suis complètement privilégié au niveau financier. J'ai pas de problème de sous, j'ai hérité du coup dans ma situation actuelle. Mes parents n'ont pas profité de leur retraite, mais moi j'ai profité de la leur finalement. Et donc j'ai pas ce souci de fin du mois. N'ayant pas ce souci de fin du mois, je peux aller chercher qu'est-ce qui peut me rendre heureux. C'est là où je suis un mauvais exemple pour cette génération, parce que tu me demandes à moi pour cette génération comment on peut vivre dans ce monde-là. La question paraîtrait vraiment plus pertinente pour quelqu'un qui a le même âge que moi, mais qui bosse dans un garage et qui a un SMIC et qui est pas propriétaire. Parce que pour lui, j'avoue que si on lui enlève le consumérisme, je sais pas par quoi il peut compenser. Du coup, on peut dire que ta conférence est une critique de l'écologie telle qu'elle se déploie actuellement. Je suis pas anti-écolo, non. Je critique des angles morts de l'écologie actuelle, quand même.
Et j'aimerais aussi arriver à désenclaver l'écologie de sa question où elle se place régulièrement dans des de manières morales. C'est ça, la question qui est une fausse question. C'est à un moment fausse. C'est une question qui nous concerne tous, c'est presque une question de commun, quoi. On a des ressources en commun, qu'est-ce qu'on en fait? Actuellement, on fait n'importe quoi avec. Bon, on réfléchit différemment. Un truc que j'aime bien, que j'ai récupéré chez de quelqu'un d'autre, bien sûr, mais le problème, c'est pas, par exemple, d'où vient l'énergie qu'on utilise, c'est pourquoi on utilise l'énergie qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, t'as des panneaux solaires, t'as des tas de trucs qui sont vus comme étant bien de manière écologique, tout le monde aime les panneaux solaires. Mmh. C'est un truc de fou, alors que c'est complètement crétin dans le système actuel français avec le nucléaire qu'on a. On peut être contre le nucléaire, mais pour le moment il est là, et mettre des panneaux solaires en l'absence d'une vraie stratégie et ayant toujours le nucléaire, ça amène à une espèce d'impasse, ça n'a pas de sens physique. En parallèle, les abeilles, tout le monde aime les abeilles, on adore ça, bon, le premier. Mais à Paris, du coup, il y a eu une espèce d'explosion de la quantité d'abeilles qu'il y a. Enfin, on a une considération comme ça avec des espèces de bien et de mal, alors que ben non, il y a des questions. À un moment, il faut prendre un peu de recul, faire une espèce de pas de côté, le problème est complexe. Et il n'y a pas des bons gestes. C'est une moralisation de la question permanente, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc c'est aussi cet aspect-là que je veux un peu critiquer. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire une conscience gestuelle? Pourquoi cette forme? Enfin, comment on arrive là-dessus? C'est... À un moment, tu te dis cette forme me convient pour faire passer le message ou Bon, déjà parce que les conférences gesticulées, j'ai découvert il y a grosso modo 4 ans, je me suis politisé en 4-5 ans, globalement, avec 2017. Je suis tombé sur les conférences gesticulées à peu près à ce moment-là, j'ai commencé à en écouter beaucoup qui me paraissaient assez intéressantes. Et je suivais vaguement de loin en fait ce qui se passait au niveau des conférences gesticulées. J'ai vu la proposition de l'Ardeur de faire les anecdotes gesticulées puis les conférences. Et du coup, je me suis retrouvé embarqué là-dedans en me disant que peut-être j'avais quelque chose à raconter, mais je dois dire que je suis arrivé avec une fausse, une fausse idée. Je voulais pas trop parler de moi. C'est raté. C'est plutôt raté. J'arrivais en faisant une démonstration qu'aujourd'hui on avait vraiment des angles morts comme ça au niveau de l'écologie et que le capitalisme allait réussir à s'en sortir. Enfin, je faisais une vraie démonstration. J'ai essayé de synthétiser tous les trucs que j'avais vus depuis 4 ans à droite à gauche, un coup dans les écolos, un coup dans les survivalistes parce que des fois j'ai des trucs comme ça. Dans des gars qui font de la politique, enfin, j'ai essayé de faire une maxi-synthèse de tout ce que j'avais essayé d'apprendre. Et bon, j'ai voulu faire voilà, une synthèse de toutes les choses comme ça que j'ai appris, et en fait ça faisait une conférence. C'était pas gesticulé. Donc après il y a eu les formateurs qui ont été là pour m'aider à le rendre gesticulé et qui m'ont amené à moi réfléchir, parce que je vais pas dire qu'ils m'ont fait écrire des trucs, ils m'ont rien fait écrire, juste ils m'ont fait me rendre compte de ce que j'avais envie de raconter et de partager. Tu trouves pertinent alors? La formation? Ouais. Ben, c'est génial. Non, les temps de dialogue, les temps de discussion, de 9h du matin à 23h le soir, tu parles, ça parle politique, ça s'engueule un peu, ça discute toujours dans la bienveillance. Enfin, moi j'adore ces expériences, j'adore ces moments. Tiens, je les ai un peu vécu dans des éco-villages, dans des trucs, parce que j'en ai aussi un peu fait. Mais là ici c'est génial parce que t'as vraiment affaire à des gens qui viennent avec un bagage, qui viennent avec des connaissances. Et avec des horizons extrêmement différents, c'est des gens qui ne se rencontreraient pas forcément, c'est ça qui est drôle. Enfin, il y a les problématiques. C'est pas un stage sur l'écologie, il n'y a pas 9 écologistes, enfin, tu vois. Non, c'est ça. Il y a des gens sur le handicap, presque... d'autres sur... Ben, c'est ça, moi je suis arrivé avec l'écologie et j'avais affaire à des gens qui ne connaissaient pas forcément beaucoup. Ouais. Pareil, il y a qui étaient sensibilisés mais qui n'avaient pas forcément compris qu'il y avait tel problème. Et c'est des publics, enfin, c'est très intéressant pour moi, c'est pas mes publics que je rencontre habituellement. Cool. Bien, merci. Ben, je te remercie.